Alors, on va essayer de voir un peu. C'est plus hashtag recherche Paris, c'est hashtag recherche souris. Oh là, attention, là, il n'y a pas qui. Il me semble changer de voiture, si je ne me trompe pas. Ce qui est Il n'avait passé pas dit qu'il du prenait la côté Formule 1? Marek. Non, c'était AC qui était en. qui tentait la Formule 1, qui n'était pas vraiment autorisé, on va dire. Mais bon, là, attention, parce qu'il y a des LMP1 et des LMP2. Alors, logiquement, on avait. Si on se rappelle bien du système de qualification, c'était. Bonjour, bonsoir. Par catégorie. Salut, salut. Il me semble. Salut. C'est ça, ouais. On faisait 20 minutes Oh, bah, il peut par pas du tout. catégorie. Je te plante Voilà. pas, hein. Ouais. Alors, vous rappelez J'ai une l'ami bonne excuse, viewer avec j'étais moi en train pour de dire. Salut commenter les ce gars. soir, il y a Salut. les Salut. amis Attends. Edwood Oui. et Oui. Drondrou. Salut. Deux participants Ne hein, touche dans les pas. courses précédentes de Bonsoir. cette Team Go Race et qui ce soir sont en post-com en ma compagnie, on va dire, Exactement. pour vous faire vivre cette course et partager leurs connaissances et expertises aussi pour un petit peu juger et analyser les différentes phases de course que nous allons rencontrer durant ces 2 heures sur ce circuit de Silverstone, mais en Grande-Bretagne, ladies and gentlemen. Et là, on va assister sans doute au départ du tour lancé de Naberius. Alors, il n'y a que 12 pilotes seulement au départ, alors que, bon, on annonçait peut-être un petit peu plus. Voilà, Naberius qui commence son tour rapide, je vous rassure, c'est juste la caméra qui nous fait un petit raté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se glisser comme ça en caméra embarquée, enfin embarquée en vue troisième personne, puisque ça n'est pas le même principe que du côté Comme des abeilles. Et d'un là, certain t'entends Forza, un vrai on bruit, va c'est dire. sympa. Et j'ai vu que tu t'étais trompé la dernière fois au niveau de la température qui est affichée en haut. Alors C'est pas la dis-moi. température de l'air, mais la température de la piste. Donc si Ah! sur certains circuits, tu vois qu'il fait 30 degrés alors qu'en vrai, c'est pas souvent le cas, c'est parce que c'est la piste. D'accord, ok, voilà. Donc voilà, petit ajustement donc par rapport à la course précédente entre de Spa-Francorchamps où on avait Sûr. Voilà. donné cette information-là qui n'était pas visiblement donc correcte. Donc c'est bien la température de piste que vous voyez en haut à droite, juste à côté de la météo actuelle et des prévisions météo. On annonce un grand soleil, ce qui est très fréquent, hein, on peut le dire, en Grande-Bretagne quand même. Bah oui, ils sont Donc habitués du là-bas. coup, voilà, exactement. Alors on regarde déjà les deux premiers partiels de notre ami Naberius, 29 secondes J'ai pas reçu 383, d'invitation. 41 secondes 435. Et oh, Wallstar qui a déjà terminé un tour apparemment. Il nous a fait un 1.43. 358, qui sera un peu le chrono de référence durant à la fin de ce tour. En Naberius, le voici qui s'engage dans le dernier virage, voilà la ligne d'arrivée. Alors, faut savoir que donc sur ce tracé, bah, c'est la nouvelle ligne droite qui est employée. Et meilleur temps en Naberius, une 41 409. Ouais, ça va déjà être un peu le jeu là. Déjà 2 secondes d'écart par rapport à Wallstark. Commence déjà à se créer un petit écart Pas mal, d'entrée de jeu. Alors, le troisième arrivé, j'essaie de voir qui ce serait. Asté, ouais. Ouais, visiblement, ce serait bien Asté, oui. Alors Mon qu'on petit. resalue, enfin, je dis re à l'ami Rafak avec qui j'étais tout à l'heure Il sur va PlayStation faire 4. un 1.43, je pense. Une 43, tu dis? Bon, allez, on va se risquer. Une. Ah non, Ah oui, quoi? 2.02. Ah ouais, donc là, même Loulou avec la LMP2 est un peu plus rapide, une 50-115. Non, Pole il a eu un position. problème, je pense. Pole position catégorie LMP2 pour Loulou pour l'instant. Ils sont Loulou combien qui d'ailleurs? est. Loulou qui est un spécialiste des pole positions dans cette catégorie, puisque si je ne Quelqu'un peut m'abuse, m'inviter? il a été Si, régulièrement à cette ça y est. position. Alors, Wallstar qui termine un autre tour. On va voir s'il peut améliorer son chrono. Je pense qu'il va améliorer. Oh, il a C'est l'air pas qui? mal, oui. Sucette? Alors malheureusement, visiblement, nous avons Merci. toujours un souci de Ah caméra. merde, Une t'as craqué. 41.6. Une 41.6. Donc c'est amélioration. Oh là. Par contre, passage en glissade pour Wallstar. Et Mangator, une 40 680. Ça y est, c'est parti. Le show Mangator vient de commencer, mesdames et messieurs. Une 40 680. Ce qui fait déjà un écart de 7 dixième par rapport au chrono de Naberius. Bon, bah voilà quoi. À mon avis, il va encore améliorer d'au moins une seconde, je pense.
Aller sous la minute 40, oui. Même, j'irais même me risquer à dire sous la minute 39. C'est fort possible. Avec Mangator, tout est avec, possible. Ouais, avec dire, Mangator. Sincèrement. Alors, Naberius. Eh, hey, mais non, c'est Naberius qui a fait mieux. Une 4672. Ouh là. Alors hey. Là. Dis donc, il y a de la belle bagarre là pour la pole position là dès le début de cette soirée. C'est vrai que Naberius, on n'a pas tendance à parler souvent de lui, mais il joue souvent les pole positions de peu avec Mangator. Et en course, quand il a de la chance, on va dire, les gars, quand il s'en sort indemne, il est souvent en combat avec lui, justement. Un souris, mon pointeur, ouais, exactement. Alors que Wolstark nous dit en Team Radio qu'il a également un problème de souris sur son jeu qui doit le relancer. Ouais, bah c'est vraiment le jeu qui a un problème alors. Voilà, donc un nouveau bug détecté malgré la correction du patch 6.0. Comme je l'ai dit la dernière fois, à chaque fois qu'ils ont couru, il y en a d'autres qui se créent. Voilà. C'est triste, mais bon. En tout cas, sur la version console. Alors que là, oui, il y a Loulou qui nous faisait une petite, un petit passage assez large. Alors, une 48.6, je vérifie s'il a amélioré. Oui, c'était son dernier tour, donc il a amélioré son chrono de référence. Alors, Loulou. Une 55-501. Lui, il a. Oui, il y a quand même un petit écart. Très joli livret. C'est pas une nouvelle livrée, ça? Ah, ça serait bien possible. Mais en tout cas, il a conservé son Oreca Nissan dans cette catégorie. Moins joli, je trouve. LMP2. Alors qu'il en profite pour jouer un peu bowling avec une quille de ce circuit de Silverstone, visiblement. Est-ce que quelqu'un pourrait m'inviter, s'il vous plaît? Ah, c'était toujours 5ème. Paki a déjà fait un tour en 2.05.8, mais il faut rappeler que notre ami Paki a quelques difficultés de temps en temps. Oula! Sucette qui est arrêté sur le bord de la piste, là. Enfin, en tout cas, au ralenti. Dans le Village Corner. Et, oui, bon, c'est là. C'est étrange. Très étrange. Alors que, oula! On a une voiture. Tu peux les prévenir? Alors, je vais les prévenir tout de suite. Jamais. Alors, attention, il y a Sofiane 012 avec une voiture illicite. Sofiane 0012. Ouais, exact, il a la sauveur. Voilà, le signalement vient d'être effectué alors que les GT3 elles n'ont pas bougé. On va revenir très vite sur ce qui se passe du côté de l'avant-course. Asté qui a amélioré une 44-846, il est 3ème désormais. Et Mangator a repris la tête, une 40-378, mais là il termine un autre tour. Alors attention. Il va passer sous la barre d'une 40 à mon avis. je le sens venir. Je le sens venir. Eh ben voilà. Une 39-717. Voilà. Il suffit c'est de le dire. Fini. Oh non, c'est pas fini. C'est pas fini du tout là. Mangator, déjà chaud, chaud, chaud. Ah ben trop chaud. Tellement chaud qu'il vient de rentrer au stand puisque il allait sortir de la piste à l'issue du virage numéro 3. A voir si Naberius va améliorer lui aussi. Il était à seulement à peu près 3 dixièmes, 2 dixièmes, enfin 2,292. Ouais, voilà à peu près. Et là ici, bon, premier partiel 29 secondes 439, deuxième partiel 41 649. Je pense qu'il va pouvoir améliorer. On va voir en tout cas. Je sais pas s'il va passer. Hey, slou, oula, un peu là. Dommage. Allez, ça pourrait peut-être lui coûter 2-3 dixièmes hein, cette opération, peut-être même plus. Eh ben non, il n'a pas amélioré puisqu'il a fait une 41-500. On peut lancer le jeu si les mises à jour sont pas faites. Aïe 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 aïe. Dommage pour lui. Alors, sinon, pas de chrono. Bah, Wolstark, forcément, il a plus son chrono puisqu'il a dû relancer le jeu. Sucette, pas de chrono pour l'instant. On va peut-être aller du côté de Lulu, notre consultant, je vous rappelle, pour Forza 6, qui est là en tant que pilote dans ce championnat d'endurance de la Team Gorace. Meilleur temps actuel, une 55-501 pour lui. Il est deuxième hein, dans sa catégorie derrière Loulou, qui lui, t'as une 48-736. Donc, on va voir s'il peut resserrer un peu l'écart par rapport au roi des pôles position, on pourrait dire, presque en LMP2, puisque Loulou nous a habitués, en tout cas sur les dernières courses que j'ai eu l'occasion de commenter. Je le voyais à chaque fois en haut de la liste des temps dans cette catégorie. Il est revenu. Ça va être compliqué. C'est le pote à qui, Sofiane? Alors, je vais quand même repréciser parce qu'apparemment, le fameux Sofiane qu'on a vu tout à l'heure est revenu
Je précise, s'il y a éventuellement des gens qui suivent le live, de ne pas, bien évidemment, venir interférer parmi les pilotes participants. Voilà, pour assurer une parfaite organisation de ces courses. Ça fait combien de tours, 2 heures? Alors, Lulu, qui va franchir la ligne? Environ 70, je pense. Et visiblement pas d'amélioration, je pense que c'était tour, son tour de sortie. C'était son tour de sortie. À mon avis, il pourra pas faire aussi bien que Loulou, parce que... Alors parce on que voit Laberius, une 47, oui, il s'est loupé hein, sur son tour précédent, là. Asté, lui, une 44-886, mais il est au garage depuis déjà quelques temps, donc je pense que ça bouge pas trop à son niveau. Sucette, une 49-751 pour lui, avec sa livrée noire et rouge. Il est venu un peu se mêler dans la bagarre des LMP2. Paki a fait un chrono également, 2.05.848. Alors voilà, attention, Wallstark là qui... dans la délicatesse. Ouf, Paki qui sème les ouais, quilles. Faire attention aux quilles. Ouais. Et sinon, pour le reste, bah, ça bouge pas trop. Oula. Il y a peut-être Wallstar qui a fait une sortie de piste. Ouais, Wallstar, on va aller le retrouver il là. Il s'est fait gêner par Paki, ouais, je m'en doutais. Attention à ne pas se gêner entre les LMP1 et les LMP2, parce que certes, les. Ouais. Oh là là, attention ouais, là, ouais, bah, c'est Paki qui est. Ouais. Paki qui il est parti carrément, en. Carrément, ouais. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il ait tapé par contre. Dans le dernier virage. Donc ouais, voilà, il rentre au centre, ce qui est préférable, vu le positionnement qu'il avait. Mais ouais, je la sentais venir, parce qu'il revenait vite, sachant que c'est une LMP1, ouais. Et ouais, oui. Grosse confusion, dommage. Effectivement. Alors si, sans âme, pour répondre à ta question, il est là, Edwood, il est en post-commentateur ce soir, il ne participe pas à la course, une petite salut, pause. Salut, salut. Je fais une petite break. Pause du jeu parce que il y a pas mal de problèmes sur le jeu. Et quand tu passes plusieurs heures à régler ton véhicule et que le jour J, tu perds tous tes réglages, t'en as un peu marre au bout d'un moment. Donc voilà, je fais une petite pause, mais je vais revenir, je pense. J'en sais rien. En fait. On espère, en tout cas. On t'accueille, on va dire, avec plaisir. Pour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Drou, n'hésite pas à intervenir également. Ça fait 5 minutes que je parle, je regarde sur ma gauche et là, je vois le voyant rouge de ma manette qui me dit comme quoi je parle dans le vide. Et il y a juste Sucette qui a amélioré une 47-253 et il est pour l'instant donc en quatrième de sa catégorie, de la catégorie LMP1. Mais cette fois-ci, bon, logiquement, il n'y a plus de P2, non ça c'est une erreur d'affichage, il n'y a plus de P1 imbriqué dans le peloton des LMP2. Donc ça, on a plus ou moins une hiérarchie logique. Mangator, une 39-717, Naberus deuxième, une 40-672. Asté, une 44-846, Sucette, une 47-253, puis ensuite on arrive au LMP2, Loulou, une 48-736, Lulu, 94-400, une 55-501, Paki, qui est parti faire un peu la tondeuse à gazon, fait 05-848, et oh là, on a même un autre participant interdit là. Faut qu'on le vote. Ouais, par contre, alors deuxième participant interdit, Patou 18 000 voitures, enfin participant incorrect. Qui c'est qui les invite ceux-là? Et l'autre. Le problème c'est que Sofiane est sorti. Hein. Il est en piste avec la voiture quoi. Ouais. Je vais regarder ça après. Attention, la voiture, voiture illicite en piste. Voiture illicite en piste, attention. Il faut faire quelque chose parce que là il est en train de gêner tout le monde. Ils ont failli se toucher. Il y a Patou, il est en LMP1. C'est du n'importe quoi. Ouais, là, c'est pas. C'est le genre de situation qu'on n'a pas envie de voir. Alors que pendant ce temps, les GT3 s'élancent, visiblement, et que Vegas n'a même pas fait de chrono avec sa LMP1, et All Stark n'a pas eu le temps non plus d'en faire un. Hein. Oh là 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 là. Donc, du coup, il partira de la dernière ligne de un cette peu chaotique grille de départ. Ce soir, j'ai envie de dire. Ouais, pour l'instant, c'est assez confus. C'est assez confus. Tu peux essayer de regarder si les deux intrus sont toujours alors en piste. Alors on va vérifier. Bah oui, Patou il est toujours là. Par contre, Sofiane n'est plus là. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ouais, déjà ça, c'est bon. Steph, ouais, pour la course, ce sera juste 2 heures. Il n'y aura pas vraiment de tour. Oui, puisque il y on aura le reprécise. À peu près 70. On le reprécise pour ceux qui rejoignent. On est avec le patch 6.0 désormais sur Project Cars.
ce dernier incluant notamment la notion de faire des courses dans des durées si peux, j'ai rejoint comme ça, au lieu de faire des courses par tour. Ah, okay. Ça, il est toujours possible de faire courses par tour, mais on peut faire des courses de genre 2h, 3h, 24h, etc. Donc ça, c'est plutôt une fonctionnalité qui était attendue à la sortie, mais qui est arrivée... C'est ce que j'allais dire, justement. J'avais peur de me tromper, mais voilà. Non, c'est c'était bien... C'est ce que bien... je pensais, ouais. C'était avant bien le jeu, ouais, c'était bien prévu, ouais. Ouais, ouais. Et puis avant, ils l'ont supprimé, j'ai pas compris. Ouais. Effectivement, sans âme, le manque de chance de notre ami Wall Stark, malheureusement, qui a été donc victime d'un souci... de souris qui l'a obligé à quitter, du coup il a pas eu le temps de pouvoir revenir et faire un tour. Et Ever, oui, c'est bien de dire drapeau rouge, mais sauf que les drapeaux rouges n'existent pas sur Project Cars, tout comme les safety cars, il y en a toujours pas. Ce qui est un peu. Et le drapeau à damier. Dommage. Bah après, une safety car, c'est compliqué à faire, on va dire. Surtout bah, il faut en ligne. Un joueur réservé à ça. À la ouais, limite. Bah c'est ça qui est chiant, quoi. Mais oui. Tu dois trouver un système pour le faire avec une IA, mais va trouver. C'est ça, voilà. Faut un alors peu prévoir comme des... sur les F1, même si cette année ils l'ont supprimé. Mm. Mais exactement. Ouais, en ligne ça doit être compliqué à gérer, je pense. Il n'y a pas de safety car en F1 maintenant ? Dans les jeux F1, ah, ils l'ont non. Supprimé. Dans les jeux de F1, il n'y a plus. Ah, dans les jeux, mais en vrai, il y en a toujours. Oui, ah, oui, ouais, oui. Ouais. Par contre, ils ont tendance à utiliser les safety cars virtuels, là, que je trouve vraiment une grosse daube. Parce qu'il y en a qui profitent souvent juste au départ, qui profitent de se rapprocher des concurrents. Comme ce qu'avait fait Rosberg à Spa l'année dernière. Non, je crois que c'était plutôt cette année à du côté de Monaco, entre autres, que ça avait. Oui, ouais, c'est sûrement ça. Je suis en train de me tromper. Alors visiblement, oui, tu es la seule, Marine, puisque tu es la seule à avoir des problèmes visiblement de son. Donc là, ça ne dépend pas de nous, malheureusement, ce souci. Fais un refresh du live ou bien relance l'application Twitch si cela pose problème. Alors que pendant ce temps, on est en onboard cam avec, avec Balou. Oula, attention, il y a encore des P1. Il y a encore des P1 en piste. Faut tu peux regarder qui c'est. Alors, je vais voir tout de suite. Tous les coups, c'est Asté. C'est Asté qui est encore en piste. Bizarre. Lui qui est un peu le maître Asté de la session. Permettrait de sortir, sachant que Will Stark n'a pas de chrono non plus. Alors, ouais, Asté avait un chrono, mais il n'est pas ressorti et. Non, je comprends c'est bizarre. Pas. C'est bizarre. Il y a un peu des choses étranges qui se passent ce soir, vous le remarquerez dans cette session, chers amis. Donc. Ah non, Exe qui me dit il a du son, ouais, donc ça vient de chez toi, ma chère Marine, malheureusement, donc relance, n'hésite pas. Et on a que 4 GT3, ça fait un peloton. Krapovic, il est pas là ? Non, ah, Krapovic n'est pas là, non. Il est pas là. Pas la Z4 noire. Ouais. Alors, Balou, lui, il va terminer un tour, il nous a fait 36 secondes 161, 51 631. Pour les deux premiers secteurs, et sur la ligne d'arrivée, ça va nous donner un 2.05.128 qui le classe même devant Paki qui se retrouve donc dans le peloton de LMP2. Une GT3 dans les LMP2 ou une LMP2 dans les GT3, ça fonctionne dans les deux sens. On va suivre Vegas qui, tout à l'heure, je l'avais vu comme étant en LMP1, mais en fait, pas du tout, c'était juste un bug d'affichage courant et récurrent, on va dire. Il est au contraire sur une McLaren MP4 12C que notre cher Edwood, qui commente avec nous ce soir, connaît bien. Je connais un peu trop bien même. Voilà. 2.10.286 pour Vegas. Alors, Dimdels 86, apparemment, il n'a pas été jusqu'au bout de son tour puisqu'il n'a pas de chrono. Le problème avec cette voiture, c'est qu'elle est bien au début, mais qu'au début en fait. Ah oui, effectivement, c'est... Parce que quand tu commences à chercher les réglages, des réglages précis, tu peux pas. T'es obligé d'être sous-performant par rapport aux autres. Généralement, j'avais beau faire de bons réglages, j'étais à peu près 2 secondes moins vite que la GT3 en la BMW. Ah ouais. Que, je sais plus son nom, la Z4. À Krapovic ou bien... Voilà. Ou bien alors, même pendant les records mondiaux que je regardais sur internet, t'étais tout le temps à 2 secondes derrière. Là, les qualifications, c'est les LMP2.
Alors, pendant ce temps, on a Joug qui a piqué, le meilleur temps dans la catégorie GT3, à savoir 2.02.617, 2.05.128 pour Balou, mais qui va peut-être améliorer à la fin de ce tour. Il y a confusion sur le TS là. C'est un peu le bordel. Ouais, Will, il aurait pu continuer à courir et puis il l'a pas fait. Ah non, j'ai dû redémarrer et puis là je pense que je vais démarrer en dernière position. Ouais, situation compliquée là, ouais, effectivement, on l'entend un peu, la confusion règne au sein des pilotes. J'étais derrière Naber et j'étais deuxième, mais Mangaton n'avait pas encore fait son tour. Bah, au pire, tu te mets troisième, enfin, je sais pas ce qu'on pense. Non, parce qu'après Asté, il a fait 1,44. Alors, voilà, ouais, qu'est-ce que c'est. Pourquoi on a encore des LMP1, une si LMP1 en piste deux tours après les GT3, c'est toujours acheté, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait en piste là on Tu peux pas essayer de les contacter parce que c'est assez bizarre, sachant que Wellstar n'a pas fait de tour. Alors, est-ce normal qu'il y ait toujours une LMP1 en piste alors que ça n'est pas normalement le cas? Dites-moi. Bah, Asté. Asté, oui. Il a dû se garer ou bien il conduit là? Non, il est toujours en piste et roulé à bon train là, donc c'est un petit peu étrange cette situation. Bah, c'est bizarre parce que ça fait plusieurs tours, hein. Ça fait au moins. Voilà, et ça vient véritablement gêner les GT3, donc il vaudrait mieux. Asté au garage. Ouais. Box, Asté, box. Now, bah, please. Pas vraiment pour ça que ça me gêne, c'est surtout. Wellstar parce que lui il a pas fait de tour, donc au pire des cas qu'il en profite. Ouais, mais en fait Doud, j'ai avec le reste du salon, je leur ai dit que je fais deux tours tout à l'heure, le premier de chauffe et puis le deuxième je l'enchaînerai et puis le chrono qui sera affiché là, parce que j'ai dû relancer le jeu tout à l'heure, c'est pour ça. Ouais, acheter, c'est bizarre. Je crois qu'il essaie de parler, ça s'allume sur TS, mais bon, en attendant. Bon, situation un peu confuse, hein. Vous nous excuserez un viewer là parce que c'est un peu étrange. Donc nous avons, on rappelle vite fait le classement GT3 pour l'instant à 6 minutes 25 de la fin de cette séance de qualification. Joug, meilleur temps pour le GT3 en 2.02.563. Balou suit avec 2.05.128 sur une BMW Z4. Joug étant sur une Roof RGT8, je me trompe pas sur son nom, ça sera mieux. Ensuite, on a Vegas avec la McLaren MP4 12C 2.06.063. Et puis Jimdels 86, il n'a toujours pas de chrono pour l'instant, mais il va peut-être en avoir un ici, puisqu'il finit un tour. Et il se classe deuxième directement, 2.03.847. Ça valait le coup d'attendre, même si là, il était un petit peu parti dans tous les sens. Par contre, je suis en train de voir qu'il y a Coco Titan qui essaye de venir, mais il a encore des problèmes de connexion. C'est souvent le cas. Effectivement, Coco Titan est un participant régulier en catégorie LMP1 avec une LMP1 aux couleurs de Project Cars, d'ailleurs une noire, il me semble. Enfin, de l'ancien logo du jeu, en tout cas. Jimdels a l'air de se débattre avec sa voiture. Tu disais, Drondrou? Je disais, oui, il a bien la P30 aux couleurs de Project Cars, là, en noir. Voilà. Noir et jaune, alors que Balou arrive sur la ligne d'arrivée et qu'on va enfin plus ou moins voir une caméra correcte. Il va faire le meilleur temps. Et pas d'amélioration pour lui, alors que Joug 2.05.563, ben non, pas d'amélioration. Ah, 2.02. Oui. Non, pas d'amélioration pour Balou. Et il n'y a pas de chrono sur les secteurs précédents, donc visiblement c'est un tour de sortie qui nous faisait. Alors, pour l'instant, la hiérarchie semble être plus ou moins figée. Mais bon, il reste plus que 4 minutes 30. Voilà. J'avoue, XD, 30. Il a peut-être raison. Après, il faut voir dans l'organisation. Ouais, et puis il faut voir s'il y a une voiture qui peut se prêter à être safety car aussi. Genre une Mercedes SLS ou quelque chose comme ça. Tu prends la SLS et tu la mets en jaune. Ouais, voilà, oui, par exemple. Oui, comme en... Moi bon, déjà de 1 faut savoir la manier la SLS. Hein. Aussi. Ce serait plus pour toi. on sent que moi elle part de l'arrière. Parce que tout à l'heure, Alors chers amis joueurs, vous remarquerez la confiance qui est accordée entre les deux co-commentateurs ce soir. C'est absolument formidable.
Non, alors mais que... bon, moi, ah, si. Alors si qu'il y a Wallstar qui sort des stands, on lui a autorisé. Donc, ouais, il a été autorisé à effectuer un tour, puisqu'il a dû relancer son jeu. Tant mieux pour le lui, voici. À vie, il va faire, je pense, le troisième temps. Ouais. Alors, on va voir. Faire attention qu'il n'aille pas gêné ou qu'il soit gêné par des LMP. Par des LMGT3, pardon, plutôt. On va dire comme ça. Mais sinon, on va faire un rappel rapide des chronos dans cette qualification, puisque donc on est NMP se relance. Donc on a Mangator toujours donc en pôle, 1.39.717. Puis Naberius 2ème, 1.46.172. Asté 3ème, 1.43.280. Il est enfin rentré au stand, notre ami Asté. Sucette est 4ème avec 1.47.253. 5ème position pour Loulou et donc premier en LMP2. 1.48.229, deuxième en LMP2 c'est Lulu 94.400 avec 1.55.501, puis ensuite on retrouve Paki troisième dans cette même catégorie 2.05.848. Ensuite on va du côté des GT3 avec Joug 2.02.324, il a amélioré d'ailleurs son meilleur temps lors de la précédente tentative. Jimdels 86.203.847, il est deuxième dans la catégorie GT3, troisième dans cette catégorie Balou 2.03.858, donc il a amélioré également. Et ensuite Vegas 4ème avec 2.06.063. Et on va essayer de voir un peu sur la fiche des temps, voir s'il y a des pilotes qui sont en amélioration. On va suivre Jimdels 86 qui arrive dans le dernier secteur de ce circuit de Silverstone, du côté du virage de Stowe, où on est ici. Voilà ce long virage à droite. On passe de pratiquement 300 km/h pour les meilleures voitures en catégorie MP1 à à peu près 220-230, si je ne m'abuse, sans exagérer, si j'arrive à le dire aussi. Voilà. Tu peux le redire pour voir. Sans exagérer, voilà, ouais. Ça c'est... Tu fais chier. Non, pas du tout. Pas d'amélioration pour Jimdels, toujours 2.03.847 pendant ce temps. Et wow, là, il sort un peu large. Putain, il est Balou, arrivé vite aussi. Hein. Il était en amélioration, mais. Enfin, il était en train de faire un tour, mais visiblement, il a avorté sa tentative. Donc, du coup, on va mettre plein phare, plein cadre sur Wallstar. Donc, qui va tenter, bon. Je pense, son seul et unique tour dans cette séance de qualification. On ouvre les enchères, on lance les enchères. Voilà. Deuxième place. Troisième place pour Doudou. Faire un chrono de combien à votre avis? Un chrono, bah faut voir le chrono de Naber. Moi je dirais. Alors Naberius nous a fait une 46. Une 40.6. Moi je dis une 40.9. Ouais. Moi je te dis entre une 40.9 et une 40.7. Ouh là, non, non, c'est tu choisis un seul chrono. T'as entre les deux. Non, le petit tricheur. Bon allez, une 40. Ici à la sortie de Chapelle. Okay. Wallstar. Et toi, Benji? Oh, je pense aller à une 40.5. Donc deuxième. Okay. Comme dirait Steph également, qui nous dit deuxième, allez, voilà. Moi, j'ai une 40.9, ouais. Donc troisième. Allez, voici à la chicane avant le dernier virage de ce circuit de Silverstone. C'est sa seule unique tentative pour Wallstar qui ne s'est pas loupé jusqu'à présent. Et il va nous faire... un chrono de 1.42.1. Oula, très loin de nos... de nos prédictions. On peut y aller les gars. Allez. Allez, bonne course. Merci. C'est parti.
Ouais les gars, je vais devoir faire un arrêt au stand, je me suis pris au mur. Ça commence fort là. Oh, Wall Stark. Ouais, c'est étonnant là. Ouh là 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 là. Il va vouloir rentrer au stand à mon avis. Ouais, clairement, ouais. Ouh là 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 là. C'est du grand n'importe quoi, là. Il mériterait d'avoir une sanction. Michel, s'il te plaît. Et effectivement, je viens de remarquer que j'avais oublié de remettre mon micro pour la course, ce qui est un peu idiot, voilà. Veuillez m'excuser, amis viewers, voilà. C'est les aléas du direct. Me revoilà donc, avec donc Mangator en tête, deuxième Naverius, troisième Asté, quatrième Wallstark, cinquième Sucette, sixième Loulou, Lulu est septième, mais il est déjà un peu plus loin, donc il a du mal visiblement à suivre le rythme de la RWD de Loulou. Doug est toujours en tête. C'est plutôt la voiture qui a du mal à suivre. Ah, ouais, peut-être aussi. Niveau accélération, la P20 est largement au-dessus. Ouais. Alors, sinon, Jindels86, il en est où lui? Ah, bah, il est reparti, mais bon. Il risque d'être sujet à sanction pour avoir conduit en contresens et en marche arrière pour rentrer au stand. Et Mangator, lui, bah. Voilà, qui commence à creuser un petit écart là. D'ores et déjà d'entrée de jeu dans cette course. On va suivre le chrono hein, à la fin de ce tour, voir un peu les temps que font ces deux pilotes. Il y a 1h53 de course encore. Bon, certes, on n'en est qu'au début. Il y a 2 heures au total qui vont être bouclées sur ce mythique circuit de Silverstone. Et Mangator qui termine le deuxième tour officiel de cette course. 1:41,350, 1:42,583. C'est le temps qu'a fait Naverius. Troisième, on va retrouver Asté. Et qui lui a un rythme un peu plus lent, 1:45,2. Sucette 4ème. Oh, Wallstark 5ème. Oula. Aïe aïe aïe, il s'est passé quelque chose pour Wallstark parce que là il est très loin. Oh là là. Oh, il tape le mur. Oh là 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 là, c'est pas possible. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, mais Wallstark, la malchance qui le poursuit. Ouais. La malchance qui le poursuit malheureusement. Je crois qu'il y a un chat noir dans la TTR. C'est pas possible. Ben ça, il repart, mais malheureusement, bon, contrairement à Forza, on ne peut pas avoir une idée des dégâts qu'il a sur sa voiture. Je pense qu'à mon avis, il doit avoir quand même des dégâts légers au niveau de la suspension gauche. Ouais, ouais, mais là... là les héros. C'est... Ouais, surtout les héros aussi. C'est pas le genre de situation à privilégier, on va dire, dans un début de course d'endurance, en tout cas. Et du coup, il laisse filer... ses autres camarades du LMP2. Oh là là. Voilà. Voilà. Ne vous inquiétez c'est pas. C'est impressionnant, c'est vrai. C'est impressionnant, oh mais ceci n'est juste qu'un bug visuel. Voilà, les amis, ne vous inquiétez j'en ai pas. Marre de ce jeu. Non, mais voilà. Oh, quoi, ça faut... surprend. Ouais, ouais, vous inquiétez bah, pas. C'est bugué avec Mangator. On... Oh, Inaperius, du coup, est sorti. Oh, oui, 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 ouais, ouais. Il a été perturbé. C'est vraiment gênant, ouais.
Il a été perturbé visiblement par le bon cabri qu'a fait Mangator sur le vibreur. Ouais, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, hein. Faire gaffe, parce que tu peux vite te déconcentrer quand tu vois Naberius. Ça. Oula, qu'est-ce qui se passe, la Naberius qui... Elle doit avoir de gros dégâts, à mon avis. Oula, il y a quelque chose, ouais. Oh là là. Un autre TTR. Et Naberius qui a été déconnecté. Aïe. Il a timeout. Aïe, déconnexion de Naberius. Oh là, ça y est, ça commence. Je vous ai dit, Naberius, il est souvent dans le coup face à Mangator, ouais. Mais souvent il a pas de chance. Voilà, c'était Naberius. Et non, ce n'était pas Naberius ça, puisque je pense que c'est Wolfstar qui a abandonné. Ah non, il est encore dans le TS. Non, il est au stand. Il est au stand. Fini. Course terminée pour Wolfstar, malheureusement. C'est vraiment chaotique cette course-là. C'est du grand n'importe quoi. Exactement dans la continuité de la dernière course que j'avais commentée à Spa-Francorchamps. Droudrou était déjà présent, d'ailleurs, au commentaire avec moi. On se rappelle, hein, cette course où il y avait à peu près une vingtaine de pilotes au départ, il y en avait eu plus que 9, voilà. Donc, il faut 8 de souvenirs. Casse moteur comme un con, déjà, je me suis mangé le mur. Et au moment où je voulais rentrer dans les stands, je viens de penser que j'ai pas ouvert le radiateur. Ah merde. Elle a tenu 3 tours. Il a eu un problème. Il a pas ouvert le radiateur. Naber, il a été déconnecté, j'ai vu. Et les problèmes qui se s'enchaînent donc visiblement pour les ex-membres de la team TTR. C'est surtout terrible. En fait, il a gardé ce réglage des qualifications. Ah, d'un côté, c'est un peu de sa faute parce que. Là, pour le coup, c'est une erreur de réglage. C'est une erreur de réglage. Donc là, il peut s'en vouloir malheureusement qu'à lui-même. Oh là. Et du coup, ils sont plus que combien d'ailleurs en course. On n'a plus que 10 pilotes en piste. Ouais, 10. Ouais. Bon, sur 14, on dirait. Course, les gars. Désolé pour moi, malheureusement. On est désolé pour toi, Abdella. C'est pas fameux parce que ça me fait un peu repenser à la TTR. Ouais. Ça me fait un peu repenser à la TTR parce qu'on était à peu près dans le même cas. On a commencé avec pas mal de pilotes. Là, on était une vingtaine maximum, pareil que sur la TTR. Et puis là, on commence à diminuer sans raison. Oui, exact. C'est une lassitude peut-être des pilotes. Le jeu, il y est un peu pour quelque chose. Je pense surtout que c'est le jeu qui est pour quelque chose. D'ailleurs, il y a un pilote, je sais plus son nom, je l'ai plus en tête, qui était en GT3, qui jouait les podiums avec moi et le premier, là, j'ai oublié son nom, Akrapovic. Ah. Mmh. Et il a arrêté de. Il a clairement dit sur le site qu'il a arrêté de jouer à cause du jeu. Simplement parce qu'il était lassé du jeu, il en avait marre des bugs et tout. Je pense qu'il y a une grande partie aussi du fait que le jeu soit trop bugué. À côté, c'est compréhensible. C'est... Ah oui, clairement. La course là, dis-toi, je voulais m'entraîner en pleine semaine. Mon jeu, il a clairement dit non. La mise à jour 6.0, je l'ai installé, le jeu il crachait. Si tu veux, j'avais la phase d'intro, et au moment de faire essai libre, j'ai écran bleu. J'ai ma connexion qui a sauté. Bonne soirée à tout le monde. Désolé pour toi, Naber. Naber qui donc confirme une déconnexion, qui explique son abandon également dans cette course. À mon avis, ça lasse encore plus quand tu fais des courses longues comme ça de 2 heures. Donc moi, je pense qu'il faut... Vu au niveau de Project Car, faut privilégier les courses de 30 minutes comme on faisait sur Project Je pense que ce sera ça retire le charme des courses d'endurance. Mais voilà, c'est ça un peu la tristesse, ou alors faire une course événementielle à la limite. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui se fera c'est ce qu'on faisait. Et je pense que c'est comme ça qu'on procédera également en 2016, puisque je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne serait pas au courant, mais que sur Benji TV en 2016 on couvrira des courses sur Project Car sur PlayStation 4 également, puisque on va Rafa entre autres, qui était là présent tout à l'heure au début de live, va gracieusement, on va dire, offrir un exemplaire du jeu à votre serviteur, on va dire, à moi-même. Et donc du coup ce sera l'occasion de commenter des courses sur cette plateforme l'année prochaine. On va créer quelque chose qui espère tiendra la route au même titre que les Benji TV Super Racing Weekends sur Forza 6. Bon, ce sera peut-être quelque chose de différent, mais on va en discuter avec les pilotes PlayStation 4 pour essayer de faire quelque chose de bien et qui soit sympa également
à vous faire vivre, vous les viewers et abonnés, et puis à commenter également pour ma part avec celle de Lulu et peut-être de vous aussi, messieurs, si vous cherchez à suivre ces courses aussi, et ben, je vous inviterai au post commentaire avec grand plaisir, bien évidemment. Sinon, oui, Cobra Kyo, effectivement, l'information du début de course, c'est l'abandon de Wallstark, petit MKS moteur, également une déconnexion pour Naberius. Suite, c'est une déconnexion, voilà, il n'y a pas de suite à cela, c'est une déconnexion qui est arrivée et qui a provoqué son abandon. Une GT3 qui a fait un contresens en début de course. Voilà, également, oui, c'est ça. Voilà. Il est parti en marche arrière et puis est parti à contresens pour rejoindre les stands avant même de faire le premier tour, donc du coup, c'est. Bon, ça a tourné un peu à la blague belge, on va dire, cette histoire, mais bon, c'était pas une blague, c'était bien la réalité, vous l'avez vu. Pour ceux qui étaient là et ceux qui étaient là peuvent témoigner et confirmer les propos que je vous dresse ici. Pour répondre à ta question, Steph, de souvenir, c'est Watkins Glen dans 2 semaines. Oui, ce sera Watkins Glen effectivement le 28 novembre. Alors j'espère que le jeu il sera stable d'ici là. Parce que on espère. Glen, c'est mon coup de cœur à moi. J'espère que ce sera stabilisé évidemment et puis que vous serez là également, vous, pour cette prochaine course. Il sera à suivre comme celle d'aujourd'hui en intégralité en live commenté par mes soins et celle d'autres pilotes peut-être Ah là là, ce jeu c'est terrible. Et oui, voilà, bon alors vous entendez hein, notre cher Edoud prend ça un peu sur le ton de l'humour, mais il faut, parce que quand vous voyez malheureusement, parce que sinon au bout d'un moment tu pètes un plomb, j'ai envie de dire. Ah ouais non, c'est sûr, quand t'es comme moi, que t'as attendu le jeu depuis à peu près 2 ans ouais. Et que t'es tout fier de l'avoir au départ, puis qu'au final tu te fais berner comme ça, c'est chaud quoi. Oui, mais berner au point de même plus acheter les DLC, donc je vais être très honnête. Le problème c'est que moi, c'est l'impression que j'ai. Hein. C'est l'impression que j'ai, mais le problème, c'est que quand le jeu est sorti, j'ai l'impression qu'il était moins buggé. C'est ça le truc. Ah, possible. J'ai l'impression que plus ils font de mise à jour, plus ils ajoutent non. Des bugs. Moi, c'est l'impression que j'ai. Ouais, oui, c'est ton impression. Mais moi, pour moi, en fait, c'est plus que le jeu, à sa sortie, il était buggé, certes. Mais après, plus les mises à jour passaient, plus on se disait il y a tel bug qui va être corrigé, donc du coup plus ça va en fait, plus on cherchait les bugs. Je sais pas parce qu'honnêtement moi avant qu'il fasse de gros attention la Mangator qui a failli se faire gêner par Lulu là, attention, c'était chaud. Ouh. Oui, donc je disais avant qu'il fasse les grosses mises à jour t'avais pas une partie où tu restais bloqué dans les stands, t'avais oui. Pas qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Qu'est-ce qu'on pouvait avoir d'autre? T'avais pas les problèmes de pneus? Généralement, ouais, t'as les problèmes de pneus. Ouais. Voilà, t'as des choses comme ça qui font que. C'est terrible quand même. Mais bon, c'est dommage parce que le jeu est franchement. Enfin, s'il aurait été fait correctement, la qualité du jeu aurait été grandiose, on va dire. Ouais, même si c'est pour le moment mon jeu favori de course qui dépasse tous les autres jeux auxquels j'ai joué, mais bon, ouais. Il est trop bugué. Sur Forza, tu te contrediras. Bah après, ouais. J'ai jamais joué à vraiment sérieusement à Forza, mais. Ouais, bien sûr, oui. Ouais, c'est toi qui veux. Ah, effectivement, Narcos, oui, du coup, comme j'évoquais, c'est diffusion de course Project Cars PlayStation 4. Effectivement, il risque d'y avoir une alternance comme cette année pour les championnats sur Forza 6. Donc du coup, ce sera une semaine, enfin un week-end Forza, un week-end Project, ou bien alors on fera ça autrement. On verra bien. De toute façon, je vous tiendrai informé de la suite des opérations, que ce soit du côté de Forza et du côté de Project Cars PS4, bien évidemment. Et en espérant que vous serez toujours nombreux à les suivre et à y participer aussi, hein, bien évidemment. Donc là je vois que visiblement Narcos après à partir d'avril il pourra plus, écoute, on essaiera quand même de faire en sorte que tu puisses faire un maximum de courses, mon cher Narcos. Et toi, après, garder contact. Et puis voilà, oui, de toute manière, oui, évidemment. Dès l'instant où tu as fait un peu partie de l'équipe, tu es le bienvenu quand tu le veux. On va continuer quand même un petit peu à revenir sur cette course, même s'il se passe pas grand chose, hein, on va être très franc et honnête. Voilà, merci. Si il se passe quelque chose, Mangator est premier. Révolutionnaire. Ouais.
avec presque un demi-tour d'avance hein, sur Asté. Donc celle-là aussi est tout à fait révolutionnaire. Sucette. De dire ça, mais c'est hors sujet, mais le logo YouTube vient de changer. Il est passé avec un fond français, le drapeau de la France. Oui. Donc ça, c'est pas mal. Parce qu'on rappelle... Twitter, ouais, non il t'as dit quoi vas-y. On allait sur Twitter. Ouais, j'ai sur Twitter. Loulou qui est passé deuxième en LMP2. Ah. Oula. Et Lulu qui est en tête désormais. Ah ouais, il a l'air d'avoir un assez grand écart, donc il a dû faire une sortie de piste. Ouais, il a dû se passer quelque chose parce que là il s'est fait même doubler par une GT3 là. Attention. Ouais, à mon avis, il a fait une petite sortie de piste. Hein. Il va peut-être rentrer au stand du coup. Non, il ne rentre pas. Donc ça doit être une erreur hein, peut-être. Mais bon, il avait quand même pourtant une bonne avance, donc c'est ça qui me surprend un peu. On a eu ce changement soudain de leader dans cette catégorie. Généralement, on surestime l'avance qu'on a quand on fait des sorties de piste parce que ça arrive vite et le temps de sortir du bac à gravier ou quoi, ça peut prendre un certain temps. Ah, exact, ça dépend oui. des circonstances après. Exact. Et puis bon, faut quand même se rappeler lors des courses précédentes que Loulou a été plus ou moins dans le même genre de situation, d'avoir été en tête de sa catégorie et même bien en tête, et puis que bah, au bout d'un moment, il rencontre des soucis ou bien commet des erreurs et du coup, bah, il perdait complètement son avantage. Ça lui est arrivé dans les déjà plusieurs endurance, prises, comme ça, c'est généralement la concentration qui te paye. Si au bout d'un moment tu perds ta concentration, tu voilà, c'est pas bon, on va dire. Exactement. Alors que pendant ce temps, lui, Paki est très loin derrière, toujours dans cette catégorie LMP2, presque inexistant malheureusement pour lui. Le pilote qui connaît pas mal de difficultés au niveau de la conduite. Et sinon, pour revenir du côté LMP1, ça change pas. Mais par contre, on n'a plus qu'un seul constructeur en course, à savoir RWD avec les P30. Puisqu'on a 3 P30 aux 3 premières places et c'est les 3 seuls LMP1 encore en course. Donc le podium est assuré pour les pilotes LMP1. Enfin, est assuré. Oui, il est assuré, mais on ne sait pas dans quel ordre par contre. Donc là, à ce niveau-là, tout peut encore se décider. Sachant qu'il y a un truc que j'aime pas dans ce jeu. Je suis désolé de dire ça, mais le problème, c'est au niveau des LMP1. Ils font des LMP1 fictifs, des LMP2 fictifs. Ok, il n'y a pas de problème, je suis d'accord, ils font ce qu'ils veulent. Mais le problème, c'est qu'ils font des voitures qui sont beaucoup plus performantes, oui. pardonnez-moi, que les voitures réelles. Donc, je trouve ça ouais, mais après, pas quand normal. Tu regardes, quand tu regardes les RWD, pardon, oh, l'entrée au stand raté comparé au Marek. Oh là Loulou, il a été scratché à l'entrée des stands là pendant chaud, le temps. Là. Ouais mais ouais comme tu dis Loulou, les marques sont larguées alors que pourtant elles embarquent la même technologie. Dans tous les cas c'est, je trouve ça pas normal. Faut qu'elles soient au moins égales ou. Voilà. Moi, j'en sais rien. Balou. Et Balou qui est. Il est un peu gourmand. Alors que Mangator visiblement était un peu ralenti, je pense qu'il a dû faire un cut. Ce qui a, à mon avis, pris une petite pénalité pour parce que là, il ralentissait tout d'un coup. Pour répondre à la question, au Brachio, la RWD, la P30 comparée à la Marek, la P30 a une meilleure accélération en tout point. Et en vitesse de pointe, elle est largement au-dessus. La Marek galère à atteindre les 300, alors que la P30, elle y va facilement. Alors, information que me glisse Loulou via le chat de Steam, il fait un deuxième passage par les stands tout simplement parce qu'il a chaussé des pneus pluie. Aïe, aïe, aïe. Ce qui ça, c'est bien, ça. Bien évidemment très, très embêtant sur une piste sèche, dirons-nous. Mais bon, ce genre d'erreur, on n'est pas là pour se moquer, hein, c'est pas ça, mais... Ce genre d'erreur, il vaut mieux éviter de la faire, quoi. Après, c'est lui qui l'a dit chaussé ou c'est le jeu? Là est la question. Alors que c'était dur. Là est la question, on va dire. Bah, d'un côté, c'est pas handicapant en soi, c'est juste la surchauffe des pneus qui fait que ce soit handicapant. Voilà, surtout, c'est surtout ça, voilà. Puisque on rappelle des pneus pluie, enfin en tout cas rainurés et pluie. Sur une piste sèche, ben vous ferez pas 1000 km avec. Hein. Ça, très franc et honnête là-dessus, ça passera pas. Du coup, cela explique pourquoi Loulou se retrouve donc désormais à la deuxième position de cette catégorie LMP2.
bien derrière Lulu qui lui vient de franchir la ligne alors que Loulou va seulement... Oh là, voiture arrêtée. Il y a une voiture derrière. Vegas avec la MP4 Doucé qui est arrêtée au niveau de l'enchaînement. Vegas, Magot s'appelle, attention parce qu'il y a Mangator qui arrive. Ne pas c'est le gêner. Pas... Ouh, là c'est bon, c'est passé, tranquille. Je crois qu'il était déjà passé. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas lui qui était en contresens au départ? Non, c'était Jim Dell 86 qui lui est bien plus loin derrière et toujours en délicatesse visiblement avec sa McLaren également. Et sinon, ben, la hiérarchie ne bouge pas. Alors que par contre, il y a un peu de monde là. Eh oui, Thibaut Sucette, enfin, Sucette qui revient un peu sur Asté. Ça fait pas Asté mal. Qui a l'air d'être un petit peu gêné par Lulu, mais après, c'est à lui à faire le dépassement. Hein. On rappelle la règle, bien évidemment. Oh, attention! Sucette qui va peut-être profiter de l'opportunité qui se présente à lui pour doubler. Je pense qu'il va pouvoir tenter une attaque juste après les. Alors peut-être pas ici à Cops. Non, juste après là. Peut-être dans l'enchaînement Beckett, Magot, Chapelle, peut-être. Après l'enchaînement. Dans la grande ligne. Ça sera. Au niveau du freinage, je pense que s'il en a, il va pouvoir le prendre au freinage. Oh, ça c'est osé comme. Il est peut-être un peu loin quand même là. Ouais, peut-être un petit peu là. Il s'est fait un peu larguer, je trouve. Il est un peu loin. On va un peu en cam on board ici avec les données télémétriques qui, pour une fois, ont l'air correctes. Des freins à 25 degrés. Ouais, mais bon, je parle de la vitesse instantanée du rapport en tout cas. Ah, oui, ça a l'air correct. Ouais, pour une fois. Et en plus, on a le son correct aussi, donc on va peut-être un petit peu laisser profiter de cette caméra embarquée. À mon avis, pour ce problème-là, ça doit être selon la connexion. Je sais pas pourquoi, mais je le sens que c'est une connerie comme ça. Ah, je sais pas, parce que même quand on pilote, on entend les voitures bugger. Moi, ça m'arrive souvent que quand je suis assez loin d'eux, j'entends bien le son. Et dès que je me rapproche, le son devient bugué et fait des bruits bizarres là, à chaque fois. Donc je sais pas si c'est la connexion. Rapproche quand même petit à petit. Je suis pas sûr, j'ai l'impression qu'il peut-être qu'il se rapproche, mais de peu. Alors ça se joue aussi un peu sur les trajectoires. Là, on voit qu'il va se rapprocher parce qu'il a pris large là. Ouais, il était un peu large ici avant Brooklands. Là, il a légèrement de meilleures trajectoires, je trouve, Sucette. Non, on le suit ici en caméra. Vraiment là, vous êtes au cœur de cette bagarre là. On va voir qui est le plus rapide dans les enchaînements. Ouais, là ici, on passe. Ah, je trouve qu'il Maggots. Prend un peu large là. Maggots, Beckett ici. Et puis, j'appelle le troisième virage de ce triplé magique. On enchaîne avec une accélération. Mais là, on dirait même que Asté a pris un petit peu d'avance là sur l'enchaînement. Ah, déjà, je l'ai vu juste avant les enchaînements. Alors c'est pris une légère avance. Ça pourrait être une question de réglage aussi. On pourrait peut-être se dire que Asté a un réglage plus basé sur la vitesse pour les parties rapides, alors que Sucette serait peut-être plus pour les parties ralenties. Les deux ont pris large là. Ouais, le freinage est un peu loupé pour les deux hommes. Alors sinon, un avis sur la TS040. Alors personnellement, je l'ai testé très rapidement. Sur Project Cars, en tout cas sur Xbox One, puisque je via un partage de compte avec l'ami AIDD qui regarde ce live d'ailleurs, j'ai pu accéder à cette version. Attention, il s'est fait gêner, il va pouvoir le rattraper. Ouais, attention, il va se faire gêner aussi. C'est chaud, ouais. Oh, attention, on touche. Ouh là 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 là. Ça touche un peu. Je sais pas si ça. Balou. C'est serré là. Ouais. Voilà, c'est bon, c'est passé. Passé, mais du coup Asté a une petite respiration on va dire quelque part, alors que Mangator lui voilà, même plus besoin d'aller le voir tellement il est loin. Alors que Lulu en stand, premier arrêt pour lui, joli casque, ouais effectivement. Alors que là voilà, Loulou repasse par devant contre, lui. Rentrer au stand en cinquième, ça va pas trop le faire je pense. Ouais, pour repartir ça va être un peu. Allez, vous voyez le petit surtout qu'il est un peu en haut régime là. Voilà, oui. Petit souci d'animation. En catégorie GT3, ça n'a pas changé hein, à ce niveau-là, c'est toujours le même classement. Les deux McLaren au fond. Le pseudo de VGS me perturbe. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Verge.
C'est bizarre. Alors, d'accord, oui, nous, ne, nous ne, n'assisterons pas sur ce point. Ah mon dieu. Mais voilà, ceci était la pensée du soir de Edwood. Voilà, alors... Je me tairai sur ce point. Ben, j'aurais pu dire Yvégette aussi, mais bon, ça, ça aurait été autre chose. Enfin, pour l'instant, donc, toujours Mangator en tête devant Asté, devant Asté et Sucette. Sucette, oui, on enchaîne bien. Sucette voilà, est en troisième position. C'est pas pour dénigrer Sucette, mais il est pas aussi performant que Mangator, donc je pense que Mangator va très très largement prendre l'ascendant sur ses concurrents. Et va y avoir un espace assez élevé. Ouais, je pense qu'honnêtement, wow, parce que je pense, le pire concurrent de Mangator, c'est Sirius. Mais malheureusement, il a été déconnecté. Ouais, voilà, oui, parce que bien évidemment, alors qu'on termine tout doucement déjà la première demi-heure de course, hein, qui a été un peu écourtée, par la minute de silence observée au départ en mémoire des victimes de. Des terribles tragédies de Paris hier. Ben, au bout de cette demi-heure, on a déjà remarqué plusieurs points, hein, on va dire. C'est d'une part l'abandon de Wallstark suite à une casse moteur, qui est une conséquence d'une sortie de piste, hein, à l'issue du premier tour de course. Et puis ensuite, Naberius qui, d'une part, sortie de piste perturbée par un bug d'affichage lié à Mangator qui était juste devant lui, et qui plus est ensuite une déconnexion qui du coup a entraîné son abandon. Et puis, pour l'instant, il n'y avait rien d'autre, si, à part Jindels qui s'amusait à prendre la piste à contresens pour rentrer au stand alors que le premier tour n'avait même pas encore commencé. Donc, un départ qui avait été complètement échoué pour ce dernier. Mais sinon, on va dire, pour l'essentiel de la course, on a à peu près tout résumé, si ce n'est on terminerait juste par Loulou qui s'est trompé dans une stratégie de pneumatique puisqu'il avait opté pour des pneus pluie au départ, enfin il a mis des pneus pluie au lieu de mettre des pneus slick, ce qui expliquait pourquoi il a dû repasser deux fois par les stands. Mais il n'empêche que au jeu de ses ravitaillements, il reste quand même devant au classement LMP2 devant Lulu 94-400, et dans cette catégorie on a toujours Paki en troisième position mais un peu plus loin dans la hiérarchie générale. Joub est toujours en tête côté GT3 devant Balou, Vegas et Jimdals 86. Ouh la grosse sortie. Ça fait mal. À l'issue du virage de Cops. Attention, il y a une voiture qui arrive. C'est la voiture de Lulu. Le panneau. Les deux. Bon là il a fait d'une pierre deux coups là. Oui je pense que là il a des sérieux problèmes là. Jimdals 86. Parce que là la voiture est limite en crabe là. Je sais pas ce qui lui arrive là. Derrière on peut faire gaffe. Ouais, il y a clairement des problèmes là. Du Sony, j'irai prudemment. Bien avoir la direction amochée. Ouais, je pense bien parce que là, l'impact, surtout au virage de Cops où c'est un virage où on passe très très vite. Là, j'ai peur. Ouais, bon, derrière c'est pas qui, hein, donc ça va. Ça je prie pour qu'il heurte pas la marée qui est derrière. Voilà, il rentre au stand. Voilà, ça va aller, on va aller réparer un peu ces problèmes là. Ça fait flipper. Ouais, voilà, c'est bon. Il est au stand. Les pilotes sont en sécurité désormais. Sinon, on revient vite fait sur la hiérarchie devant. Toujours Mangator, largement devant. Enfin, largement moins qu'il y a quelques instants. Donc, j'ai peut-être l'impression qu'il a peut-être fait un passage au stand. Je ne saurais pas dire exactement. Ouf, ouais, il est sorti large. Alors, je vais voir un peu son dernier temps autour. 2-0-6, ouais. Je pense que là, 2-0-6 sur le dernier tour, il a dû passer par les stands. L'ami Mangator en tête. Donc, toujours devant. Il y a Cobra Q qui t'avait posé une question par rapport à la TS 040. Alors, la TS 040, oui, je disais que j'avais pu la tester rapidement sur Xbox One. Puisque via le partage de compte d'XD, je peux accéder à cette version du jeu et ainsi qu'au DLC. Et sincèrement, c'est une bonne voiture au niveau accélération, ça pousse bien. Oh attention Sucette là qui sort un petit peu là à Brooklands, mais ça va, il repart. Donc elle pousse fort au début, hein, comme ça s'explique par son système hybride embarqué au sein de la Toyota. Mais après, je trouve que ça manque un poil d'accélération une fois qu'elle est sans son système électrique.
ça a limite, je trouve que la différence est un poil trop important. Après, d'ailleurs, bon, je sais pas, je peux pas comparer avec la vraie TS-040, mais en tout cas, en l'ayant testé, enfin, en tout cas, sa version précédente, la TS-030 sur Gran Turismo 6, pour faire un peu le parallèle, parce que même si c'est des jeux complètement différents, il y a quand même une manière d'avoir intégré la voiture qui se rapproche. Mais je trouve, vous voyez, que la TS-040 est plus ou moins, enfin, pourrait être améliorée un peu sur l'aspect accélération une fois qu'elle est en dehors de son système de super condensateur. Je crois que c'est ça qui est embarqué à bord de cette TS-040. Donc du coup, avis, on va dire, plus ou moins mitigé, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir quand même une LMP1 moderne en plus dans un jeu de course, parce que bon, après, on sait que ça devient de plus en plus difficile d'acquérir des licences pour avoir ces voitures-là, donc c'est plutôt pas mal. Après, on verra peut-être, on pourra peut-être faire un comparatif avec Forza 6 une fois qu'il y sera dedans. On a bien la Nissan GTR LM Nismo, donc on peut arriver peut-être avec une Toyota, on ne sait jamais, ou les Porsche. En tout cas, ça risque d'être par contre bien le cas. 919, oh, ce serait rêve. Et pour ça, rendez-vous en 2016 hein, pour les Porsche sur Forza 6. Ça, c'est d'ores et déjà officialisé, mais sans date, on va dire plus précise. Alors, Sucette, du coup, il est un peu perdu hein, par rapport à Asté. Alors, on va faire un petit pointage là. Alors, attention, voilà, top. Là, 55. Ouais, il a 6-7 secondes d'écart, hein, donc il a quand même bien perdu hein, suite à sa petite erreur dans l'épingle. Et sinon, pour le reste, ça bouge pas. Hein, c'est limite une procession, presque, serais-je tenté de dire, là, dans cette course. Attention, Loulou, là, qui est sorti un petit peu large, là. Loulou, il est toujours dans la course aussi, mais il m'a l'air d'aller un poil lentement. Enfin, entendre le moteur, ça a l'air d'aller un peu plus lentement pour lui. Non, c'est peut-être juste une impression. Côté GT3, Juke toujours devant Balou. Et puis Vegas 4ème, Jimdels 86, 4ème dernier. Et oh là, Jimdels qui continue son festival de sortie de piste. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Je crois qu'il essaie de m'imiter en Formule AB, mais il n'arrive pas. Disons que il n'a pas la même expérience, on va dire, que notre cher Drou, qui, comme son nom l'indique, est le spécialiste des pertes de roues. Oh, et qui plus est, facile. C'est... Si ça se trouve, il est roux en plus. Là, par contre, je ne me permettrai pas ce genre de. C'est de faux réflexion. En plus de ça. C'est pas vrai. Dit-il avec sa voix de Call of Duty, le bien roux. Évidemment. Mais il continue l'enfoiré. Je rigole. Alors, Mangator, bon, toujours devant, Asté, Sucette. Bon, pour l'instant, on va dire la course est un petit peu calme, donc. On aimerait mieux, quoi, vous commenter une course avec un peu plus de pilotes déjà d'une part, et puis d'autre part, un peu plus d'animation peut-être sur la piste, même si là. Au début, on a quand même été un peu servi. Attention, la Juke qui laisse passer Mangator, même limite à s'arrêter sur la piste. C'est plutôt généreux de sa part. Bon, après, il faut dire aussi qu'il a une grosse avance hein, sur Balou, qui est en deuxième position avec sa BMZ 4. Qui continue de rouler grâce aux jeux vidéo, on va dire, même si dans la réalité, c'est fini. Elle a fini sa carrière, hein, la BMW Z 4. Dommage parce que le V8 il pousse bien. Elle sera remplacée par dès l'année prochaine. Oula, il me semble que c'était juste là avec une P1. Non, on va voir. Oui, il y avait Asté qui était juste là et du coup Jug a dû sortir et s'est fait un peu pénaliser pour avoir fait un écart hors de la piste. Par contre, la caméra se zoome un petit peu trop, mon gars. Merci de reculer un petit peu. Voilà. Et du coup, Sucette qui a l'air de s'être rapproché un petit peu. Ouais, enfin, il y a quand même encore un petit écart hein, par rapport à Asté qui résiste bien, mine de rien, le vétéran Asté. Faut-il le rappeler?
qui a voulu griller une place au départ. Qui a voulu griller une place, bah, qui l'aura obtenu, hein. On va être très franc et honnête, hein, au final. Donc bon, ça servait à rien de résister, puisque par après, bon, certes, on pouvait pas savoir les circonstances de course. Mais bon, au final, par après, bah, il a quand même récupéré sa place. Mais c'est sûr que, bon, c'est vrai que le scénario avait été un petit peu étrange lors du tour de formation. Hein. On vous en parle, hein, vite fait, chers amis viewers, parce que, bon, pour ceux qui regardent en tout cas le replay sur YouTube, le formation lap étant coupé, là, on a eu un petit échange entre Asté et notre ami bah, Wolfstark, en l'occurrence, sur le fait de se mettre d'accord sur la troisième place. Alors en fait, notre ami Asté... Asté le gratteur. Hashtag gratteur, voilà, exactement. Hashtag gratteur. En plus, le pire, c'est que... Oh, attention, aussi... attention, il y a une voiture ralentie sur la piste. Jim Tails. Eh ben, ouais. Bien vu. Même pas besoin d'aller vérifier, je crois qu'il a perdu une roue, vu les étincelles. Oh, ah, bah, tiens. Il a réussi, enfin. Quand je vous dis... Quand on disait qu'il copiait, ben voilà. Je crois que là... Mais toujours copié, jamais égalé, hein, dit-on aussi. Donc, du coup... Oui, ah, donc, je disais... Asté, c'est un petit gratteur parce qu'il a gratté quelques minutes pendant les qualifs en plus. Et qui plus est, oui, vous l'avez peut-être vu ça, oui, effectivement, il a gratté quelques minutes durant la séance de qualification alors qu'il n'était pas autorisé logiquement à rouler. Eh ben, il s'est quand même dit bon, je vais quand même un petit peu faire un deux, trois tours comme ça, on se crède, on ne sait jamais. Un ou deux, t'es gentil, 5-6, oui. Ouais, oui, oui. Le oui. Non mais bon, je. J'essaie de toujours être en bon terme avec tout le monde, hein, vous savez bien. Alors du coup, j'emploie la formule du politiquement correct. Donc je dis 2-3 alors qu'en réalité, c'était 8-9 tours. C'est allez, une insulte, Edro de Rouge, ce que tu viens de dire dans le chat. Oh, attends. Il s'est pas encore craché ce week-end au Brésil, donc ne parlons pas trop vite. Hein. Mais attends, mais c'était... Mais samedi, c'était les qualifs, là. Bah oui, c'était aujourd'hui, oui, en fin d'après-midi. D'ailleurs, Grosjean, c'est lui qui a fait une sortie de piste, par contre, aujourd'hui. Eh oui, malheureusement. On va rien dire parce que, avec tout ce qui s'est passé en deux jours, là, enfin, en une journée, il a peut-être été déconcentré ou quoi. Je pense, oui, parce que ça peut jouer effectivement sur le. Ça a dû le perturber, j'en sais rien. Ah bah, il y a des chances, hein, il y a des chances quand même. Mais bon. En tout cas, notre ami Romain Grosjean qui, l'année prochaine, partira vers d'autres cieux, d'autres couleurs, les couleurs américaines, on devrait dire, de l'écurie AS F1. AS que vous connaissez sans doute peut-être aussi en NASCAR, puisque c'est l'associé de Tony Stewart pour la Stewart AS Racing, dont fait partie le pilote Kevin Harvick, champion en titre, hein, de la NASCAR, qui défend toujours ses chances, hein, cette année. Il y aura une course demain soir d'ailleurs du côté de Phoenix. Puis la finale à Homestead Miami le week-end prochain. Donc ça, j'espère quand même qu'ils vont pouvoir rentrer dans les points dès la première année. On verra bien effectivement. C'est toujours un peu le jeu comme ça des nouvelles équipes. C'est une année pour apprendre en général. Enfin, une année pour apprendre, sauf pour même Nissan. Même des nouvelles équipes ces dernières années, c'est ouais. Qu'elles étaient jamais performantes. Elles étaient toujours en fond de grille, donc oui. Faut faire attention. Faut prendre tout ça avec des pincettes, mais bon, comme ils l'ont dit, comme on l'a vu, ils ont l'air de mieux partir que les autres. Ils ont plus de temps pour préparer leur monoplace. Et puis, du coup, on verra bien. Et puis, ils ont quand même le soutien et ils Ferrari, fournissent. Oui. Voilà, ils fournissent quand même Ferrari pour tout ce qui est soufflerie, donc du coup. Il y a quand même derrière un peu de il y a du lourd quoi quand même donc Par contre au niveau des châssis c'est Dallara c'est ça? Je crois bien que c'est Dallara oui effectivement qui va fournir les châssis. Moi je m'y connais pas du tout dans les châssis mais je sais pas pourquoi c'est ça qui me fait peur, c'est le châssis Dallara. Alors Dallara pour t'informer. Pas besoin de t'inquiéter, c'est IndyCar. Voilà. Châssis d'IndyCar Series, châssis de GP2 et de GP3 également, il me semble. Pas besoin de t'inquiéter pour ça. Je pense que les Formule 3 aussi, donc Dallara, c'est des confiance. C'est des professionnels pour faire les châssis depuis de très 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 Parce que très je connais Dallara de nom, mais je pensais pas que c'était si bien que ça en fait. Et ils ont même c'est fait des excellent. Prototypes aussi, pour les 24 heures du Mans. Oui, bah c'est justement de ça que je les connais. Ah, voilà, donc... puisque, oui, faut-il le rappeler quand même
si vous ne le savez pas encore, c'est que vous n'êtes pas fidèle, que notre ami Ed Wood ici présent, eh ben il est manceau, voilà. Donc, et ouais. Voilà, donc du coup, il a la chance chaque année d'avoir les 24 heures du Mans quasiment à sa porte, hein, ils ont pas peur. Ouais, c'est clair, mais comme je l'ai dit tout à l'heure avant le live, ou peut-être au tout début du live, je sais pas si cette année je vais y aller, honnêtement, parce que avec tout ce qui se passe en ce moment, quand on est réaliste et quand on y réfléchit bien, 300 000 personnes entassées à peu près au même endroit, ça fait un peu peur au niveau des attaques terroristes et tout. Donc certes, il y en a qui disent qu'il faut pas penser à ça, mais faut être réaliste de temps en temps et faut faire quand même gaffe. Ouais. Moi je dis, faut pas se priver. Du coup, je sais pas. On sait que ça peut arriver, ouais. Faut pas se priver parce que sinon ça encourage encore plus. Mais nous n'en parlerons pas puisque c'est déjà trop d'en parler puisque c'est leur faire de la pub alors qu'ils ne le méritent pas. Et on va saluer AXD qui nous quitte. Merci à toi d'avoir été là, Alexis. Salut AXD. Je l'appelle par son petit prénom hein, parce que bon. Compatriote, hein, s'il vous plaît, quand même. Alors, du coup, hein, on est un peu plus familier, dirons-nous. Et on se retrouve très vite, mon cher AXD. Pilote, qui plus est, pour les Belgique TV Super Racing Weekend sur Forza 6. On le retrouvera donc le week-end prochain en V8, en F1, oula, mais également en WEC et en WTCC. Non, je ne comprends pas pourquoi tu es toujours aussi surpris, Drodrou. Je suis pas habitué. Et pourtant, tu devrais, hein, parce que... Il y en a beaucoup. Et Aztec qui, pendant ce temps, a quand même gratté encore de l'avance par rapport à Soucette. Ça va être le mot de la soirée, je crois. Ouais, enfin, non, ouais, il était pas volontaire. Il était pas volontaire, sincèrement. C'est. Non, parce que là. C'est pas comme Lafouine. Lafouine, c'est le pointeur, bah lui, c'est le gratteur, tu vois. Voilà. Et bah, il a 10 secondes d'avance, voilà. 10 secondes d'avance désormais par rapport à Soucette. Anciennement Thibaut Soucette, hein, pour ceux qui suivaient déjà à l'époque les merde. Championnats de la team TTR. Ah bah XD qui ne sera pas là le week-end prochain. Bon bah du coup on se croisera. Casse-toi, on va dire, bon. Puis voilà. Non mais bon, bah, il a. Il a non, des activités. Je rigole. Voilà, chacun un peu de disponibilité qu'il a, voilà. Même si bon, on. Pouvoir gratter des points, moi. Voilà. Ouais, c'est ça, voilà, puisque Drodrou est un autre participant hein, de ces championnats, pour rappel, qui est sur Forza 6, dont on va déjà être au cinquième, oui, au cinquième week-end déjà. Cinquième week-end. C'est... Tu peux faire des roues sur Forza ? Non. Non. C'est dommage. Donc, c'est pour ça qu'il est bien, dirons-nous, puisque bah, là, il n'y a pas de possibilité de perdre des roues ou de casser de moteur. Par contre, j'ai déjà vu des vidéos, enfin des lives sur Forza. Et c'était sur ma chaîne, tape, évidemment. Contre, tape, hein. Non, c'était chez moi, évidemment. Hein. Oui, bah, oui, justement, j'ai vu, voilà. J'ai vu chez toi et quand ça tape. Hein. Ah oui, ça déconne pas. Oui, c'est... J'avais vu une course en Formule 1. Oui, la Formule 1. quand ça tape dans le mur, ça tape dans le mur chez vous, ça rigole pas. Ouais, non, il y a des fois, il y a des bons contacts, surtout quand c'était du côté de Long Beach, où là, c'était vraiment le pire. Ouais, bah, c'est justement pour ça que j'ai vu, ouais. Il y a des pneus pour protéger, pour voir s'ils résistent, c'est tout. Ouais, bien sûr, oui, on fait office de crash test, effectivement. Ah oui, ça, effectivement, Cobra Kyo, oui, évidemment, bien évidemment, on n'oublie pas la jauge d'essence, hein, aussi, qu'il faut surveiller. Oui, bah c'est bon. Puisque notre ami Drodrou, je le dis quand même pour Edwood qui n'était peut-être pas présent sur la précédente course, qui peut voir en replay, tout comme vous, amis viewers, bien évidemment, le replay est toujours dispo, eh bien, s'est retrouvé avec une malheureuse panne d'essence dans une voiture, puis, comme par hasard, était une Nissan GT-R LM Nismo de 2015. Ah là. Je vous le donne en mille. Voilà. De lui. Donc c'est de la voiture, c'est de la voiture. Ah, c'est de ma faute, le V6 biturbo, 5 rapports, consomme beaucoup. Du coup, et voilà, attention Balou là. Je me souviens, j'avais dit au 14e tour, je m'arrête. Et bah 14e tour, je me suis arrêté, mais pas au stand. Ah ouais, là pour le coup, ça avait été un petit peu trop long, on va dire, au niveau de... Il y a une erreur, voilà. C'est des choses qui arrivent. J'ai bien aimé cet après-midi pendant les qualifs en F1. Pendant que tout le monde faisait leur qualif tranquillement, il y a Alonso qui a eu encore un problème et qui s'est assis sur une chaise pour bronzer. Voilà.
Voilà. Exactement, oui. Et qui plus est, après, est monté sur le podium pour avoir la première place du nombre de moteurs cassés et de... Oh là, attention, oh là. Hey, il y a encore un gratteur. Thibaut Sucette, là, qui... Oh, voilà, d'accord. Exprès, là, dites-moi. Non, là, c'est une petite erreur en sortie de la dernière chicane pour Thibaut Sucette. Attends. Chose qui arrive. J'allais dire une connerie, là. T'as La Fouine le pointeur, t'as Astel gratteur et Sucette... Donc sucette, tu fais quoi avec une sucette? Non. Nous ne le dirons pas à l'antenne. Voilà. Puisque voilà. Mais je pense que l'ensemble de l'auditoire avait bien compris de quoi nous parlions. Bien bah, évidemment. Nous parlons de le déballer le papier de des sucettes, bien évidemment. Hein, déballer le papier, t'as pas trouvé autre chose. Bah écoute, je rappelle. Correct, politiquement correct, je le rappelle. Alors, visiblement, Cobrakio, lui, il a compris. Alors, on fait un petit tour du côté LMP2, là, avec toujours Loulou qui est allez, pas si loin que ça de Lulu pour lui mettre un tour d'avance. Donc, il est sur un rythme très soutenu. Hein. Loulou, meilleur temps au tour dans cette course, une 48-366 contre une 55-320 pour Lulu. Donc, encore une fois, ce gap de performance entre les P20 en l'occurrence ici et la Oreca Nissan qui se fait malheureusement ressentir. Il a fait un mauvais choix, hein, franchement, parce que il y a un tel niveau de différence entre les deux protos. Bah oui, moi, je l'ai regretté. Oui, voilà, puisque Drew était engagé dans cette catégorie. Enfin, est engagé. C'est pour ça que tu commandes d'ailleurs. Ouais. Non, enfin, la première fois que j'ai commenté, donc c'est-à-dire il y a un mois maintenant, c'était juste en fait mon jeu, je le lançais, j'avais la musique, tu sais, la musique de lancement. Quand je déplaçais la souris, j'avais les bruits du curseur sur les onglets, mais j'avais pas l'image. Ah ok, d'accord. J'avais beau désinstaller le jeu et réinstaller, j'avais le même problème. Tu veux que je te dise comment j'ai résolu le problème? Non. J'ai appuyé sur le bouton start de mon volant. Je te dis non. Bon bah tant pis, je l'ai dit. Hein. Non mais c'est pour te dire, c'est dans le partage ici, c'est dans le partage, vous voyez, c'est... j'avais fait escape et tout, j'ai même fait contrôle alt sup, retour sur le jeu de ça, y a rien à faire. Je prends mon volant, j'appuie machinalement sur start, et puis bah j'ai mon écran, il se met à clignoter, et puis j'ai les onglets, je les ouvre. Vas-y. Deux heures de la course, ça te fait un peu mal quoi. Ouais, effectivement. Lulu, ouais, en difficulté, bah, disons que j'ai l'impression qu'il peut difficilement aller plus vite, hein, malheureusement, mon cher Steph, pour être tout à fait honnête avec toi. Parce qu'on disait, hein, le gap de performance est visiblement, hein, quand même, un peu trop, enfin, trop pour moi, à mon goût, important, hein, parce que. Et c'est le même cas d'ailleurs en LMP1, quand tu regardes, entre les RWD P30, même les Marek, les deux constructeurs et deux modèles virtuels, on va dire, de ces LMP1, déjà rien qu'entre ces deux là il y a un gap, mais après quand tu compares par rapport aux Audi, que ce soit la R18, la R8 ou bien même la Speed 8 ou la TS040, bah, la différence elle est toujours là et importante quoi, donc c'est un peu dommage on va dire, même si bon, dans le cas de la Speed 8 et de la R8 ou encore de la V12 LMR, bon c'est des anciennes réglementations, c'est des voitures de classification différente, puisque là c'était des LMP900 ou LMGTP, alors que là les R18, TS040, P30 et Marek sont plutôt des LMP1, donc réglementation récente. Mais il subsiste quand même ce gap qui est un peu dommageable et qui fait que du coup on a toujours des RWD devant et puis que les autres, ben, se tapent les fonds de classement, on va dire. Un alors peu que... comme sur Gran Turismo, de pouvoir, d'avoir la possibilité d'augmenter ou de baisser la puissance. Du véhicule pour qu'il soit à peu près égal. Nous c'est ce qu'on faisait, exemple moi avec mon ancienne team je jouais souvent les premières positions et ce qu'on faisait nous c'est que les trois premiers à chaque fin de course pour la prochaine course ils avaient des pénalités de puissance ou de poids pour être à peu près aussi performants que les autres voire un peu moins performants. Comme ça permettait toujours aux autres de pouvoir gagner ou voilà, tu vois. T'avais toujours un espoir de gagner par rapport à certains pilotes ou quoi que ce soit. Ouais, c'est sûr.
Oui, c'est vrai que ce genre de système là, ça pourrait être pas mal hein, de mettre ça en place pour essayer de créer hein, ce qu'on appelle la fameuse balance de performance, hein, comme on connaît du côté des championnats GT3 entre autres, en plan pain par exemple, où on met en place ça pour vraiment donner toutes les chances à quel que soit le modèle de véhicule utilisé. Donc c'est un concept qui marche plutôt bien, donc à voir si un portage de ce système de balance de performance ou bien de l'Est également, oui, comme on fait en comme on faisait en tout cas en WTCC, puisque malheureusement ça a visiblement été un peu abandonné ces dernières années, mais ça reste en championnat britannique un peu une référence hein, c'est justement ce qu'on faisait nous aussi avec mon ancienne team. On mettait généralement du l'Est pour les trois premiers. Donc par exemple, le premier avait 100 kg de l'Est, le deuxième avait 50, non, le deuxième avait 75 et le troisième avait 50. Ouais, alors attention, là, Mangator qui s'était fait un peu gêné par Vegas ici, dans un dédoublement. Ouais, mais oui, bah il y a également, je crois qu'en Super GT aussi, ils font ce système de l'Est avec des points un peu plus conséquents pour équilibrer en fonction des victoires. Entre les Nissan, les Honda et les Lexus, là-bas, entre autres, en GT500. En GT300, je crois qu'il y a aussi hein, cette réglementation-là, mais bon, les poids sont légèrement différents. Mais après, oui, on peut imaginer des systèmes comme ça pour... Mais je sais pas si sur Project Cars, il y a ce phénomène de l'Est qu'on peut attribuer au véhicule. Et on salue Yo-Yo. Salut à toi, Yo-Yo. Comment tu vas? Ça fait plaisir de t'accueillir sur le live. Yo. Oui. L'un des vétérans, oserais-je dire, vénérable et respecté, Yo-Yo, de ce live, en tout cas. Ça fait plaisir de l'avoir, notre cher Yo-Yo. Alors qu'on va récapituler, on arrive presque déjà à la moitié hein, de cette course, mine de rien. Bon, à 5 minutes près, on va quand même déjà faire un peu le point, voilà, on va pas chipoter exactement. Avec donc Mangator, hein. Qui, vous voyez, toujours en tête, il a presque mis un tour tout le monde, sauf Asté, qui est en deuxième position, mais qui est du côté de l'enchaînement, dans lequel va arriver justement Mangator. Donc du coup, bon, ben, je pense que... Voilà, ça encore c'est fait. Mangator, donc il va mettre un tour Asté, le pilote qui est en deuxième position de cette course. Alors que je vais très bien, mon cher Yo-Yo, je te remercie. Sucette, lui, est en troisième position, toujours. Un peu plus loin derrière Asté, malgré les ravitaillements, l'écart s'est même, on dirait, je pense, agrandi entre Asté et Sucette. Du côté du LMP2, eh ben, c'est Loulou qui est en tête, avec sa P20. Devant Lulu, 94-400, deuxième en LMP2. Et la troisième place revient, elle, à Paki, qui sort des stands un instant même. Et puis ensuite, du côté GT3, nous avons Joug en tête et Balou deuxième. C'est quoi ces pilotes qui ratent leur entrée au stand là? Aïe. C'est pas le premier à qui ça arrive, ce sera pas le dernier. Donc Balou du coup deuxième maintenant dans les stands. Ils veulent tellement rentrer vite qu'ils oublient le point de freinage. Mais c'est ça. Et même s'il y a plus ou moins un pilote automatique pour gérer le passage au stand, bah, il n'est pas en application tout de suite, donc du coup il faut passer le virage avant que ce dernier se mette en route, si je dis pas de bêtises. Il est après le virage justement. Ouais, voilà, donc faut vraiment anticiper ce freinage comme ça directement. Attention, ça arrive vite derrière là. Ouais, là attention là parce qu'il y a... c'était chaud là dans le virage de Cops. Surtout que c'est l'un des endroits les plus compliqués du circuit. Ouais, non, là, c'est assez chaud. Alors sinon, pour la question de la caméra, mon cher Yo-Yo, quand je commente des courses, comme c'est le cas ce soir, je ne mets pas de caméra, puisque bah, ça sert à rien d'avoir une caméra dans le poste commentateur, ça n'a pas d'utilité. Que là, quand je fais des lives, comme c'était le cas hier soir sur Assassin's Creed Syndicate, par exemple, eh ben là, on met une facecam quand on joue un jeu en live, présenté en live, on va dire. Un let's play. D'ailleurs, il est comment le Assassin's Creed là? Bah franchement, j'ai apprécié. Sincèrement, j'ai kiffé un peu
d'y jouer. Bon, à la base, c'est un jeu que m'a prêté mon voisin de rue. Hein, il m'a l'a prêté pour le présenter en live. Il était d'ailleurs présent, Gwenbox 32, qu'on salue s'il regarde le live ou s'il regarde le replay. Et franchement, bah, j'ai apprécié quoi. Même si j'avais entendu beaucoup de critiques à son sujet, bah, moi, j'ai pas été si embêté que cela, on va dire. Quand j'ai il arrive à bien tourner le jeu ou il bug Bah, sur PlayStation 4, j'ai pas remarqué de problème en tout cas, puisque c'est la version utilisée. Sur PC, ça arrivera la semaine prochaine. Moi, je suis dégoûté de l'Unity, hein, parce que franchement, désolé de dire ça, mais il a un putain de potentiel. Ouais. Et graphiquement, c'est l'un des jeux auxquels j'ai joué les plus beaux, honnêtement. C'est vrai. Mais de jouer à 25 FPS à 24, ouais. Ça, c'est un peu saoulant, ça fait mal à la tête. En tout cas, oui, c'était l'un des principaux problèmes, oui, qui plus est, plus sur PlayStation 4 que sur Xbox One, puisque la Xbox a eu un avantage, on va dire, de développement. Le truc, c'est que je l'ai. Bon, voilà, quoi, ça avait quand même pas mal de soucis, quel que soit la plateforme. Moi, j'y ai joué sur PC, en fait. C'est ça le problème. Ah, sur PC aussi, ouais. Et j'avais beau régler les problèmes, mettre tout au plus bas ou quoi, ça, voilà, ça marchait pas. C'est vraiment le jeu lui-même qui était mal optimisé, quoi. Ouais, c'est sûr. Bon, enfin, bref, on est sur Project Cars, mes amis. Voilà, exactement. Donc là, il y a Balou qui... On a un très beau... Qui est encore au stand. Voilà. Il est encore au stand, Balou. Alors, j'ai l'impression qu'il a tapé à l'arrière. Non, c'est bon, ça. Donc, s'il est resté au stand depuis qu'on l'a vu rentrer, ça fait quand même... À mon avis, il a dû refaire un tour et après, il a dû... Il a à l'arrière. Si, il a le phare arrière gauche. Si, le phare arrière gauche et l'aileron est légèrement endommagé. Mais il a dû sortir, hein. Ouais, c'est possible, à moins que ce soit plus tôt dans la course, mais bon, là, j'avoue que... Ah, il a le véhicule endommagé sur tout le côté gauche, donc à mon avis, il a dû sortir. Ça a dû taper, effectivement, pour lui. Attention derrière. Attention, parce qu'il y a Mangator, le leader de ce classement général. Alors que top, voilà, on est à la mi-course maintenant. On entre dans cette deuxième heure de course de ces deux heures de Silverstone. Il n'y a pas beaucoup de combats, c'est dommage qu'on soit si peu désormais. Ouais, malheureusement, oui, c'est dommage parce que c'est dommage. Jusqu'ici, on avait quand même droit certaines fois à de très belles courses. Y a pas qui quitte. Ah, alors que bah, justement, on va être encore moins puisqu'on annonce l'abandon de Paki. Donc du coup, il n'y a plus que deux pilotes engagés en LMP2. Ce qui arrive assez souvent, malheureusement, dans cette catégorie un peu délaissée. On va dire par les pilotes, malheureusement. C'est souvent le cas dans la plupart des championnats, d'ailleurs. Oui, c'est dommage parce que, certes, bon, c'est sûr, c'est moins rapide que des LMP1, ça, je peux bien comprendre, mais ça n'est pas non plus sans intérêt, quoi. Si on fait un classement par catégorie, ça peut toujours valoir le coup aussi de tenter sa chance du côté LMP2. Enfin, je sais pas quel est votre avis à vous, messieurs, mais moi, c'est... Ouais, en GT3, je prends mon pied avec la Z4, mais après les autres voitures, c'est vraiment mon kiff. Parce que la dernière fois que j'avais conduit la MP4, c'était un rail, mais ça avançait pas. La SLS, l'arrière, il chassait pour un rien. Mais moi, quand j'ai pris la MP4 12C, là, je l'avais testé que sur le Road America. Et malheureusement, elle était performante que sur le Road America. Attends, en fait, t'as fait la même connerie que moi pour les hypercar series sur Forza 6. Ouais, moi, j'ai pris la Veneno parce qu'elle a une bonne accélération et que le circuit demandait de l'accélération. Et sur Road America, j'ai été perdu. Ouais, bah. Oui, parce qu'au départ, il l'avait pris pour la course de Long Beach, effectivement, comme le veut la réglementation des Benjix TV Super Racing Weekend. Il est interdit de changer de véhicule, sauf si un véhicule éligible pour le championnat est rajouté par le biais d'un DLC ou d'un contenu gratuit. Donc du coup, ben, malheureusement, effectivement, notre ami Drew s'est retrouvé un peu coincé avec sa Lamborghini Veneno dans les hypercar series que vous n'aurez pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, je vous le rappelle, hein, pour un petit instant, on va parler un peu du programme du week-end prochain, vous aurez droit au championnat de Formule 1 à Indianapolis, mais avant cela il y aura le V8 Supercars du côté de Road America, donc ça peut être pas mal aussi comme course à suivre. Et puis le lendemain vous aurez droit au WTCC et au WEC, le championnat de prototype, sur le circuit
de Road Atlanta, Petit Le Mans, comme on l'appelait auparavant. Maintenant, ce surnom-là a été abandonné sur ce circuit aux États-Unis. Et donc ça, ce sera pour le week-end prochain, avec prise d'antenne vers 20h45-20h50 sur cette même chaîne, Magic TV. Des championnats en live et en exclusivité, puisque vous pouvez chercher partout, vous ne trouverez pas ces championnats diffusés ailleurs. Et on y tient, cette exclusivité ne sponsorise pas le championnat pour rien non plus. La ref ne tient pas le pavé dans les virages rapides. Et bah alors pourquoi c'est Jug, il est premier? C'est vrai que la roof pouvait paraître un peu bizarre. Il me semble que c'était toi, mon cher Edwood, qui, lors du championnat GT3 de l'ancienne team TTR, alors que là, ça glisse là pour Dindel 86, encore une fois lui. Il me semble, mon cher Edwood, que tu avais pris ce modèle-là lors du championnat GT3 qui était organisé à l'époque dans la TTR. Ouais, exactement, ouais. Mais je suis pas d'accord avec ce que dit Cobra Kyo, parce que moi, justement, je trouvais qu'elle était trop sous-vireuse, en fait. Donc pour moi, elle tournait pas. Elle tournait pas, tout simplement. C'est le problème que j'avais en sortie de virage. Et même Wallstar qui avait le même problème que moi. Mmh. Oui, c'est peut-être aussi en fonction de... du ressenti de chacun sur la conduite. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec cette voiture-là. D'autres se disent, cette voiture, elle est faite pour le style de pilotage. Faut prendre en compte aussi ce facteur-là, ça n'est pas à négliger, diront. Oh là là, et Jimdel 86 qui continue à nous faire des petits travers. Attention à ne pas gêner quand même, parce que là c'est quand même le leader de sa catégorie qui est juste derrière. On va voir un petit peu. Ah non, bien sûr, Cobra Kyo, il n'y a pas de souci. C'est comme je vous disais, chacun a chacun son style de conduite. Voilà, hein. Exactement. Ça c'est. Là, il y a rien à dire dessus, par contre. Ça c'est sûr. Et puis après, il faut aussi. Hein, donc, Il y en a qui aiment la SLS en GT3 parce que ils disent qu'elle accroche tout ça. Moi, à chaque fois que je la prends, c'est du gros travers. Je sais pas pourquoi. Je freine au même endroit que eux, mais moi, il y a rien à faire au niveau de l'accélération. J'ai le pied trop lourd. Dès qu'il freine, il a le pied trop lourd et il perd une roue. Non, il y a une roue. En fait, tu vois, il y a une roue qui bloque et l'autre roue, elle fait de son mieux pour garder le grip. Ça mais fait comme à Bahreïn il y a quelques années avec une Toro Rosso. Tu freines et t'es les deux roues avant qu'ils partent. Oui. Ah oui, effectivement. Je crois que c'était à Shanghai ça qui est arrivé. Les deux roues qui partaient en même temps dans une séance d'essai libre. Soit à Shanghai, soit à Bahreïn. Je me rappelle plus. C'était à Shanghai dans la fin de la longue ligne droite. Attention, Jimdel 86, je me méfie lui derrière là. Parce que. Là, c'était tendu d'ailleurs, ça a failli toucher, je crois, tout à l'heure. Ouais, c'était juste là l'entrée du triplé magique. Donc, Ce qui était marrant, c'est je crois que c'était Buemi au volant. Et ce con, désolé, mais il essayait de tourner alors que c'était impossible. Tu le voyais essayer de tourner le volant, là, mais il est trop con. C'était, disons, après, c'est un peu de la panique aussi. C'est... Oui, je pense, oui. Ouais. C'est... De toute façon, j'aurais fait la même chose. Hein. Il se dit, j'étais pas loin des stands, je vais quand même essayer de la ramener. Autant que je le peux, en tout cas. Même s'il faut aller lentement, étant un pilote suisse, je le rappelle, Sébastien Buemi, bon, qui est très rapide, hein, certes. Il est pilote suisse, mais il est rapide malgré tout. Rapide, champion du monde d'endurance, hein, faut-il le rappeler, avec Toyota l'année passée. Je dis bien. Là pour le coup, il était peut-être un petit peu trop optimiste sur l'état de sa voiture et dans l'idée de vouloir la ramener au garage. Il peut même pas utiliser l'excuse, j'ai pas vu que j'ai perdu mes roues, puisqu'en fait, t'es à hauteur de tes pneus. qui plus est, effectivement. C'est marrant parce que c'est vraiment bizarre. D'ailleurs, faudrait que je regarde sur internet pourquoi les deux roues se sont envolées comme ça. Mais dès qu'il a freiné. Dès qu'il a freiné, ils sont partis en même temps les roues. C'est ça le problème. C'est que dès qu'il s'est mis à freiner, tu vois les roues partir en même temps, tu vois. Je comprends pas le délire. Je freine et c'est vraiment trop bizarre. Voilà. Merci, au revoir. Ça doit vraiment surprendre. Il y avait eu également plus ou moins la même blague, hein, mais c'était avec une roue arrière, je pense. C'était Barrichello au Grand Prix de d'Hongrie 2003, il me semble. Ça lui était arrivé. C'est le même genre de blague, mais. Et là, c'est Balou qui met un tour au pilote qui le précède, à savoir Vegas.
Et là, les deux hommes qui n'ont pas hésité à aller au contact, bon... C'est vrai, c'est un peu de mécontentement de Vegas de se faire mettre un tour, je ne sais pas, mais bon, c'est pas le genre de caractère, enfin de... McLaren ne sont pas au top, on va dire. Elles sont pas à la fête, mais il manque un pilote de talent pour ça, et bon, malheureusement, il n'est pas sur la piste ce soir. Heureusement pour vous, d'ailleurs, ami viewer, il est en manque deux en GT3. En cabine. Eh oui, puisqu'il manque aussi à Krapovic, n'oublions pas, qui... Étrangement, elle n'est pas là alors qu'il était quand même bizarre. Infidèle quoi aussi. On va savoir où il habite au cas où, parce qu'on sait jamais. Ça se trouve, il est parisien. Ah, peut-être aussi. Ouais, mais... Son pseudo, c'est pas Krapovic 13. Mais non, je me demande s'il était pas, du Mans d'ailleurs, Krapovic, il me semble. Non, je crois pas. Je sais plus. Enfin, c'est pas trop grave, mais bon, c'est vrai que c'est inquiétant d'avoir certains noms. Oui, mais c'était Shanghai 2010. Ah, ben voilà. Donc, Shanghai 2010, je me disais bien, je me rappelais plus si c'était avec les nouvelles, enfin, les nouveaux ailerons qui avaient été mis sur les Formule 1 ou si c'était encore avec les anciens tout plats et tout fins. Et Ever qui refait son retour sur le live après un petit aller-retour, ce qui lui arrive de temps en temps. Faut pas s'inquiéter. Alors qu'il reste encore 50 minutes dans cette course. Mais bon, je pense que si on aurait vu le nombre de voitures qui restaient en course, je pense que la course aurait déjà été terminée. Hein, vu que... Je pense, ouais. Là, au final, ouais, ils auraient dû laisser les 30 tours, là, ou 35. Ouais. Alors pour l'instant, une course d'une heure. Qu'on donne un peu des informations, on en a bouclé 39. Voilà. Voilà, Mangator a bouclé 39 tours. Donc, du coup, voilà. Mais toujours pas d'informations éventuelles de la direction de course pour dire non, on arrête la course pour trop faible nombre de participants. Ce n'est pas ce genre de réglementation qui... Enfin, ce genre de décision n'a jamais été prise. Enfin, j'ai jamais entendu ça, en tout cas, quels que soient les championnats qui existent, que ce soit en vrai ou en virtuel. Donc bon... Après, il est déjà arrivé d'avoir une course écourtée, mais bon, ça, c'est des mauvais souvenirs, on va dire. Il y a une course qui a été suspendue parce qu'il n'y avait pas les pneus, mais avec Michelin. Alors pas suspendu, mais disons qu'il y avait que 6 voitures en piste. C'était le fameux Grand Prix d'Indianapolis, enfin Grand Prix des États-Unis 2005, où on avait Schumacher qui avait gagné devant Barrichello, et Thiago Montero avait signé son seul podium en Formule 1 en 3ème position. Bon, il aurait aimé que ce soit dans d'autres circonstances, mais bon, c'est sûr qu'il n'avait pas demandé ça, le pauvre. Et du coup, effectivement, toutes les voitures avec équipées de pneus Michelin avaient abandonné à la fin du tour de formation parce que la veille, il y avait eu un gros accident, je crois. Je demande si c'était pas Ralf Schumacher ou un autre pilote, ou un pilote Williams qui s'était accidenté dans le banking, dans le dernier virage du circuit Formule 1 d'Indianapolis, que vous retrouverez d'ailleurs la semaine prochaine dans les Belgique Stay Super Racing Weekends, soit dit en passant. Et du coup, ils ont pris la décision de faire abandonner les voitures à moteur, enfin à pneus Michelin. Et du coup, on avait droit à une course de 72 tours avec juste 6 pilotes en piste. Ce qui, évidemment, pour des Américains qui aiment le spectacle, a été très 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 mal vu. Oh là, attention, c'était là qui sortait un peu trop d'ailleurs, large. D'ailleurs, en parlant de Grand Prix américain, le GP d'Austin n'est pas assuré pour l'année prochaine. Ah, alors là, tu nous donnes une info que je n'avais personnellement pas. En tout cas, peut-être que nos amis viewers, il y en avait qui étaient peut-être au courant de ce. Il n'est pas assuré pour l'année prochaine suite au manque de personnes qui se sont fait. Qui s'est fait ressentir cette année suite aux orages et aux tempêtes. Bah, il y a de ça. Parce qu'il y a un nouveau Grand Prix qui est le Grand Prix du Mexique qui se déroule juste à quelques centaines de kilomètres du Grand Prix d'Austin. Ouais, bah oui, à Mexico en l'occurrence, oui. J'ai entendu ça sur Canal+ pendant les essais libres 1, je crois. Oh Balou au garage, abandon de Balou. Oh merde. Ou non, il était en tête depuis le début. Et Dimdes86 qui fait une sortie de piste dans le même temps. Oula, les choses qui se précipitent là en catégorie GT3. C'est dégueulasse pour Balou. Oh là 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 là. Mais combien de pilotes va-t-il rester dans cette course? Il en reste déjà plus que 8. Pratiquement 1h15. Oh là 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 là. Et il était deuxième et bien parti pour conserver cette place jusqu'au bout. Et là, malheureusement, cette course qui se termine. Alors, on n'a pas la raison de l'abandon de notre ami Balou. Il va peut-être nous la communiquer dans quelques instants
s'il rejoint le chat du live. Mais bah là, c'est un coup dur hein, quand même pour la seule BMW Z4 engagée en course. Et du coup, voilà, bah, il quitte le Team Speak. Voilà, donc là, c'est définitivement l'abandon pour le pauvre Balou. Il n'y a pas d'autre mot, malheureusement, là, qui est victime de ces... de cet abandon. Alors je sais pas si on a l'information via le live timing. On a juste abandon. Ah non. À mon avis. Ah non, déclassé. Alors j'ai vu DQ, donc disqualifié apparemment. C'est pour toi, non? Attention, faut prendre ça avec des pincettes parce que moi quand j'ai eu mon abandon, ils m'ont il était marqué signalé comme aussi. Disqualifié. Ouais. Et Wallstark aussi. Et oui, effectivement. Et à ce moment-là, j'avais une casse moteur, donc il a peut-être eu aussi une casse moteur. Ouais, c'est vrai, c'est possible, effectivement. Donc bah voilà, malheureusement Balou qui donc Balou qui donc abandonne et donc il n'y a plus que 3 GT3. C'est Balou. Oh là là. Vous pouvez aussi également. Voilà. Et pendant ce temps, un ange passe sur le circuit de Silverstone. Et cet ange, bah, il est en tête de la course, c'est Mangator qui domine de la tête et des épaules cette course. Le survol. Ah ouais non là c'est bah, y a pas d'autre mot puisque là il a un tour d'avance sur tout le monde donc là bon bah y a que lui, il est seul sur sa planète. Attention. Mais attention là oui il revient. Ah, c'est dangereux. Sur, un retardataire, attention dans l'enchaînement rapide Beckett's Maggot's Chapel, attention ne pas se louper. Voilà là ça devrait le faire. Non 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 voilà. Attention. Attention attention non, bon. Toujours. Non c'est bon c'est bon c'est bon cette fois-ci il est passé. Non, faut faire attention quand même, on sait jamais. Ouais, il ouais, faut pas oublier, oui, effectivement, on rappelle quand même aussi pour ceux qui n'étaient pas là, bon, la dernière course à Dubaï, malheureusement, je n'ai pas pu la commenter, je n'ai pas vraiment eu beaucoup d'informations, on va dire, sur cette course. Mais à Spa-Francorchamps, on rappelle quand même que Mangator a abandonné aussi. Ouais. C'était la première fois qu'il a abandonné en championnat de prototype, en championnat endurance. C'est vrai. Que le reste, ils les ont tous gagnés. Et oui, donc du coup, ce genre de situation peut lui arriver. Il faut se méfier. Tout même. Même le caméraman qui a du mal à viser sur lui tellement qu'il est rapide. Ouais, donc c'est oui, c'est effectivement bon. C'est pas MP Visual TV qui s'occupe de gérer la réalisation, donc du coup, malheureusement, on peut pas faire aussi bien que ce qu'ils font pour les différents championnats automobiles. Quand il s'occupe, que ce soit le WEC, la Formule 1 ou encore le WRC, quand c'est en France en tout cas. Et bon, bah voilà quoi, c'est. Malheureusement, les caméras sont un petit peu parfois laborieuses. Il y a un truc que je trouve dommage, c'est qu'ils auraient pu faire comme Assetto Corsa, où tu puisses choisir entre des caméras qui suivent les voitures, tout ça, ou alors sinon des plans fixes, des caméras plantées à certains endroits, elles continuent. Filmer une portion du circuit, elle ne bouge pas. Du coup, en fait, de temps en temps, t'as un vide, mais au moins tu vois les autres voitures qui passent derrière. Ça, c'est pas faux. Ouais. Je trouve ça plus sympa. Mais bon, après, voilà quoi. Moi, je suis vraiment dégoûté que le jeu ne soit pas modable. Voilà, ouais. Ouais, c'est pas faux, ouais, parce que. Comme sur merde, j'ai plus les noms aujourd'hui. C'est pas possible. Sur Air Factor 2. Assetto ou Air Factor aussi surtout, oui. Ou même iRacing, je pense, a également la possibilité d'ajouter des mods. Attention. Parce que ce qui est bien avec Air Factor 2, ouh là là, c'était voilà. Chaud là, avec voilà. Lui qui est juste derrière Jim Dels 86, qui visiblement se fout complètement, qui est des voitures plus rapides que lui en piste. Jim Dels aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment, vraiment limite. Hein. Ouais, je pense qu'il faudrait peut-être envisager de lui faire un petit avertissement, une petite réprimande par la direction de course. C'est surtout le début de course. Avec ah oui, aussi. Son contresens là qui est vraiment la pire chose que j'ai vue de ce week-end. Oui. Oui, effectivement, c'est un peu l'image de cette course. C'est un peu. Je vais pas dire du n'importe quoi à 100%, mais quand même en grosse quantité. Quoi, parce que. Il y a des moments où. Ça me fait penser un peu à la course en GP2 à Monza. Tout se déroulait bien au départ et puis d'un coup c'est parti en cacahuète. Sauf que là, dans ce week-end, tout est parti en cacahuète dès le départ. Ouais, exactement, ouais.
Et puis avec un scénario et un début de course absolument fou, on s'en rappelle. Ah, je le regarde de temps en temps, ça fait plaisir quand tu vois l'attaque qui me portait et moi ma défense incroyable sans me vanter. Dans la parabolique, franchement, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à aller revoir cette course qui est l'un des records d'audience, on va dire, en termes de replay. Je crois que c'est la course la plus vue en replay de la chaîne. Et c'est vrai que on sentait que cette course, bon déjà il y avait un enjeu puisque c'était quand même une finale, parce que il y avait trois prétendants au titre à l'époque. Ben, c'était notre ami Mangator déjà qui avait. Bon, je vais pas vous dire la fin quand même, même si vous en doutez. Il y avait Ed Wood aussi, bah, qui est ici présent en cabine commentateur, qui était également partant pour le titre. Et puis il y avait Wall Stark aussi, donc ils étaient à 3 pour le titre. C'était tout à fait jouable. Qui plus est, la place finale pouvait se décider si par exemple Mangator avait fini premier, eh ben, que Ed Wood avait fini deuxième, eh ben, c'était Mangator qui était champion, parce que le nombre de victoires aurait eu une influence sur le classement final. Enfin bref, c'était un scénario de fou. Et puis après, en course, une bagarre de tous les instants entre Mangator et Ed Wood. Je vous invite vraiment à aller la revoir, quoi, parce que c'est franchement assez extraordinaire. Et c'était un énorme moment à commenter pour Lulu et pour moi-même. Commenter la course à l'époque, c'était la troisième course qu'on commentait, franchement. Le pire c'était... du pire, c'est Abdella, Wall Stark. Ah oui, non, là c'était la catastrophe. Lui, oui, c'est dès le premier tour, il lui arrive quelque chose, puis ensuite, un peu plus tard, il lui arrive autre chose qu'on imagine franchement pas du tout. Et comme à l'image de ce qui vient de se passer, là, le bon que fait Mangator sur le vibreur. Et lui, il l'a fait dans Ascari. Oui. Ça, voilà. On laissera quand même nos amis viewers le soin d'aller revoir cette séquence de course. D'ailleurs, elle surtout est également. À la fin, il y a beaucoup de fair play à la fin de la course. Ouais, bien évidemment. Entre eux, ben, justement, les deux hommes qui sont ici à mes côtés. On va dire. Donc, du coup, c'est vrai que c'était. Le pire, c'est qu'on fait des stands. Il y avait de beaux gestes et il y en avait des moins beaux, on va dire. T'étais bloqué, toi. Mais attends, Master. Je te jure, je suis désolé de dire ça pour les viewers, mais ma voiture, ma monoplace, elle m'a fait un coup de pute. C'est un truc de fou. J'ai eu mon problème. Et du coup, j'avais un problème de direction pour. Je vais pas tout vous dire non plus. Et le bordel, c'est que j'étais obligé de rouler en crabe. Et cette connasse de monoplace. Au moment où je vais rentrer dans les stands, elle me fait un dernier coup de crabe et ma voiture se plante dans les murs de pneus qui est juste à côté des stands. Et j'étais bloqué. Putain. J'avais l'avant, le train. Ouh là. Je suis désolé. Ouais, Thibaut Sucette là qui a été gêné par. Alors, oh là, c'est vraiment abusé là aujourd'hui. Hein. Ah ben c'est pas Jimdals 86 pour une fois, c'est Vegas qui l'autre la McLaren. Verge. Fait pas bon être à McLaren visiblement sur ce tracé. J'ai bien fait de pas rouler. Pendant que je laisse poursuivre. Oui, effectivement. Pendant que je laisse poursuivre notre ami Edouze dans son récit de cette finale. Ouais, donc je disais, je tape le mur de pneus qui est juste. Bah, qui est le mur lui-même des stands au final. Et je me tape les pneus et j'ai le train avant en l'air. Du coup, je peux plus reculer ni quoi que ce soit. C'est juste énorme. Du coup, pendant peut-être 2-3 minutes, j'essayais de me sortir de ce pétrin. Et par chance, j'ai réussi à sortir, mais voilà. J'avais tout perdu, en fait, au final. C'est triste, mais bon, faut aller voir sur le replay. Non, parce n'empêche que la fin, c'était beau. Fair play, tout ça. Fais gaffe, mais la fin, attends, tu me dis ça, mais je m'en rappelle plus, en fait. Je t'ai poussé deux fois et tu m'as poussé une fois. Ah. Parce que justement, merde. On avait des roues en moins. Ah oui, c'est vrai, putain, c'est vrai. Même que je te faisais de la roue chelou, là. Disons qu'il y a eu un extrait qui était interdit au moins de 18 ans, on va dire. Voilà. Sans en dévoiler plus, il y a une séquence d'enculade, voilà, de mono. Voilà, on va dire ça comme ça. En des termes politiquement corrects, encore une fois, je vous le rappelle. C'était tellement profond que je touchais plus le sol, on va dire. Voilà, c'est ça exactement. Alors que pendant ce temps, je vous glisse l'information, pour Balou, c'est bien une disqualification. Hein. Lui, c'est... Aïe, aïe, aïe.
ce qui explique son abandon. Et sinon, pour Loulou, où la galère continue, eh ben, il a encore eu un ravitaillement, encore eu des soucis visiblement de pneumatique au ravitaillement et moins de carburant mis dans le réservoir que ce qu'il n'avait prévu initialement. Donc, oh là, pendant ce temps, Lou, lui, ben, fait un nouveau passage du côté. L'entrée des stands. Ouais, mais ça va, lui, il n'a pas tapé, contrairement à ses collègues. Donc, du coup, ben, ça va. Et Joug, lui, il est toujours sereinement, facilement en tête en catégorie GT3 devant Vegas et Jindels 86. Il est très 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 tranquille, on va dire. Oui, puisque si on regarde un peu la feuille des temps, eh ben, il a carrément 4 tours d'avance sur le pilote qui le précède en GT3. Pour moi, il n'a pas fait une seule erreur. Quand on voit l'état de sa voiture, je pense pas qu'il soit sorti. Peut-être une légère touchette, hein. On voit le capot avant qui est légèrement soulevé, on va dire. Je ne vois pas de mon point de vue, on va dire. Ah oui, ouais. C'est ouais, un tout petit peu. Mais bon, après, faut juste voir. Juste pour aérer le moteur, c'est rien. Ouais. Surtout quand le moteur est dans le porte-à-faux arrière de la voiture. Il refroidit le coffre. Non, le réservoir, parce que là, le réservoir, pour le coup, lui, il est à l'avant dans les Porsche. C'est allez, un peu une particularité. Aussi, trompé, petit con. Donc, mais bon, c'est pas grave, les erreurs, on en connaît tous, hein, ça, y a pas de soucis. Si vous me cherchez, je suis au fond de la pièce en PLS. Ah, d'accord, voilà. Ouais, bon. Alors que Lulu, lui, ben, est ressorti des stands et il va avoir un deuxième tour de retard sur Loulou. Et donc là, je pense que la hiérarchie, pour l'instant, semble se dessiner petit à petit à 35 minutes de l'arrivée du côté du LMP2, tout comme en GT3. Et en LMP1, bah, ça a l'air décidé pour la première place. Je dis bien ça a l'air parce que bon, tout peut arriver. Hein. Ne jamais crier victoire tant que la ligne d'arrivée n'a pas été franchie. Moi, je pense qu'il faudrait trouver, pour la prochaine saison, il faudrait trouver un moyen de baisser la puissance ou quoi que ce soit. Pour essayer de faire en sorte que Mangator soit moins performant pour que tout le monde ait sa chance de se battre. Ah ouais, au pire, ouais. Faudrait lui interdire de régler ses voitures, courir avec une voiture de l'origine. Après ça, tu peux pas vraiment le faire parce qu'on faut compter sur l'honnêteté des gens et puis ça se trouve, il est pas honnête. Ouais, mais dis-toi que. Non, personne ne le sait. Dis-toi que c'est ce que l'on fait pour les courses sur Forza 6. On interdit toute modification sur les véhicules et réglage interdit. Il y a seul pour. Généralement, tu auras toujours un petit malin qui va toucher à un petit truc ou deux. Voilà, dis-toi, le petit malin, c'est moi et à chaque fois, je me fais baiser. Parce que t'as, dans les paramètres de la session, tu as autorisé réglage. Et à chaque fois, autorisé réglage, j'ai surnom. Et voilà. Et il est là l'astuce. Donc du coup, bah, j'ai des voitures d'origine qui sont réglées, que ça va rien. Sur Gran Turismo, on pouvait aussi activer ce truc-là. Je peux pas aller voir. Sur Project Cars, on peut aussi l'activer, mais par contre, si tu l'actives, c'est pour tout le monde. Oui, voilà. Forza 6 aussi. Voilà, attention. Gran Turismo aussi. Qui nous a fait une sortie de piste, alors qu'il a mis à deux tours cette fois-ci Lulu. C'est fait, officiellement. Alors, Vigas, ici, il est du côté des stands pour un nouveau ravitaillement à son tour. Alors, on reprécise peut-être, hein, contrairement au championnat sur Forza 6, on ne parle pas d'arrêt au stand obligatoire dans ces courses. Ça n'a jamais été mis en place. Non, si c'est pas obligatoire, tu es obligé. Mais de toute manière, oui, voilà. On va dire. Mais on pourrait envisager un nombre de ravitaillement à faire, histoire d'équilibrer un peu et de dire, bah tiens, oui, un tel pilote a peut-être eu plus d'avance qu'un autre parce qu'il a fait plus d'arrêts au stand qu'un autre. Mais après, c'est aussi dans le travail de gestion que cette différence se crée, ça je peux bien comprendre. Donc quelque part, mon raisonnement était absolument con. Merci d'être passé. non mais, voilà. Non, mais c'est bien, t'aimais des idées et après tu te rends compte que c'est pas possible. Non mais je préfère être honnête et me rejeter la faute sur moi-même plutôt que de la mettre sur quelqu'un d'autre. Je suis quand même un garçon honnête et bien éduqué. C'est une idée comme une autre, comme pour la safety car. C'est possible, mais après il faudrait tout le temps être
au point mort et avoir une légère pression sur l'accélérateur pour pas se faire kick pour inactivité. Il y a de cela aussi, effectivement. Des trucs comme ça, je crois. Alors que Thibaut Sucette se fait prendre un deuxième tour, si je ne m'abuse. Ouais, un deuxième tour. Un deuxième tour. Celui-là, il était beau. Un deuxième tour de retard, alors que pendant ce temps-là, Mangator, il est tellement rapide qu'il limite, il vole. Tu mets vole, un voilà. gravier devant la voiture et fait un bond de 3 mètres en l'air, la machine. C'est n'importe quoi, ce jeu. C'est... Oui, bon, je... je ne sais plus quoi dire. Voilà. vous-même, vous le savez. Ah ben, Mangator, justement, qui repasse par les stands. Et le voici, on va suivre son arrêt au stand, voilà. Vous voyez donc là, on fait un changement des 4 pneumatiques. Attention, ça va très vite, c'est pour ouais, ça que vous voilà. voyez rien. Voilà. C'est un peu comme le mec dans Cars là. Qui fait le vou 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 vou. Ouais. La référence, comme la t'as ouais. les autres, ils galèrent. Tu sais, ils sont à 4 pour changer 4 pneus, ils galèrent un peu, l'autre il est ouais, tout seul. C'est ça, voilà, exactement. Et après. Stop. T'as les 4 pneus, ils sont bien alignés. Et voilà. C'est... Bon, c'est un peu dans ce sens-là, oui, effectivement. Bon, allez, voilà, ça repart en attendant pour Mangator. Avec, bon, je pense pas qu'il ait mis le plein, hein, parce que sincèrement, vu le nombre de tours qui reste. Alors, oh, une McLaren arrêtée. Ah bah, Dimdals 86 qui est arrêté au stand. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des pilotes en piste, vu les frasques qu'il aurait pu faire, mais. Ça se fait pas, ça. Mais bon, faut se dire que je n'aurais pas fait mieux. Alors. Après tout ce qu'il a pu avoir pendant la course, moi je trouve qu'il peut s'estimer heureux de terminer à 30 minutes de la fin. Oui, oui. Chanceux, je trouve. Parce qu'avec le crash qu'il y a eu tout à l'heure, moi ça aurait été moi avec la chance que j'aurais, que j'ai, pardon. J'aurais perdu mes deux pneus avant, c'est sûr et certain même. Ouais, c'est pas faux, ouais, parce que je te rappelle de certains gros crashs dont tu as été victime sans vouloir encore une fois trop ressasser des mauvais souvenirs. C'est vrai que là aussi, à ce point de vue là, t'as malheureusement pas toujours eu de la chance à ce niveau là, et c'est bien dommage parce que franchement, il y a des fois où tu mérites tellement, tellement mieux. Mais bon, voilà quoi, c'est. Et la vie, laï. Ouais. Ah ouais, mais non, mais Steph, c'est... Tout le monde le pense, hein, donc du coup... C'est prévu. Enfin, c'était prévu. Ah. C'est pas si c'est non, mais tu te souviens pas, au punch, quand le punch 2.0 était sorti, ils en parlaient, ils en disaient... C'est ils vrai. Disaient, ouais, on attend que ça soit bien réglé, tout ça. C'est après, vrai, ils en effectivement. Ils vont toujours attendre, alors. Non, ils en parlent même plus. Je suis sûr, ah à non, tous les coups, ça... Cette histoire-là, ça va finir comme Project Cars sur Wii U, ça va être mis aux oubliettes. Mais non, mais... Ah oui, c'est vrai qu'effectivement, je me rappelle maintenant que tu le dis, qu'il y avait une version de Project Cars sur Wii U qui était prévue. Et qui... Le truc de maintenant, pour moi, ils auraient dû attendre encore un an avant de sortir le jeu, parce qu'avec tous les problèmes qu'il y a... Ouais, mais sauf que le problème, c'est que les gens n'auraient pas été contents de devoir attendre encore, et alors du coup, voilà. Pas suivi. Et le problème, c'est que, ok, tout le monde est content de l'avoir, sauf que au bout d'un moment, avec les bugs que tu as, tu te lasses du jeu. Donc au final, ça, ouais. À long terme, voire à moyen terme, ils vont avoir une perte de joueurs, parce qu'ils ont tous les stats et tout... Et ils verront qu'il y a une perte qui va descendre au fur et à mesure, et puis voilà, bah, les rentrées d'argent, bah, t'en auras plus. Enfin, ouais, du moins, t'en auras plus. Voilà, assez. Exactement. Donc, bon, c'est un peu. C'est un peu dommage tout ça, dirons-nous. Mais bon. Alors qu'on est. Après, moi, je dis pas, ils sortent un DLC spécialement Ferrari avec la 488 GT3, la 458 GT3, et ne serait-ce que la 312 P2. Déjà, ils abusent un peu avec les DLC. Hein. Certes, ils sont pas chers, mais un DLC par mois, c'est un peu abusé quand même, quoi. Ah bah, il faut aussi. Se dire que on est sur le même rythme du côté de Forza 6, mais avec des tarifs différents. C'est ça que je supporte pas, moi, depuis quelques années maintenant, et ça, je défendrai toujours ce truc, c'est que avant, t'avais le jeu complet. Maintenant, t'as un jeu qui est semi-complet après, et tu dois payer. Il est pas forcément semi-complet. Par exemple, sur
sur Project Cars, ils acquièrent les licences petit à petit. Après, je dis pas, il y a la RS5 DTM en phase de développement, elle y était. La RS5 DTM en... Dans ce cas-là, tu fais un jeu en early access. Si t'as un jeu qui est avec des contrats que tu as des contrats de licence et tout au fur et à mesure, pour moi c'est pas un jeu terminé. Donc je considère pas ça pour un jeu terminé. Donc dans ce cas-là, tu fais comme DayZ, tu fais comme tous les jeux comme ça, tu les mets en bêta ou j'en sais rien. Je sais pas, enfin j'en sais rien. Moi c'est mon point de vue après. Et on va saluer Shinji49 qui nous rejoint également sur le live. On te salue bien évidemment. Alors que pendant ce temps, Asté est passé par les stands et du coup, Sucette est repassé en deuxième position. On va voir qui c'est qui va mieux gérer son ravitaillement parce que bon, la course approche tout petit doucement de son terme. Hein. On est encore à 26 minutes de l'arrivée certes, mais les stratégies de carburant pourraient jouer leur rôle, notamment dans les écarts à la sortie des stands. Eux, au moins, ils pensent à en mettre. Nous ne relèverons rien du tout. Alors moi, ce que j'aime bien maintenant, c'est que dès qu'on parle des erreurs d'Ed Wood, des petits problèmes qu'il a eu, c'est avec regret. Moi et mon coup de la panne d'essence avec la Nissan, c'est un plaisir malsain que vous prenez, sérieux. Non, ah non, ah non, ça n'est pas le genre de la maison. Non, je réfute totalement cette possibilité, mon cher Doro. Non, ce n'est pas le genre de la maison. Ouais. Je sais pas si ça se dit comme ça. Pardon ? Chingy 49, je pense que c'est comme ça que ça doit se prononcer. Précise-le, cher ami. Okay. Je n'aime pas écorcher les noms des viewers, donc du coup, c'est... Et du coup, on n'a plus que 7 pilotes en piste. Ouais. Non, ce n'est pas une blague. 2 GT3, 2 LMP2, 3 LMP1. Ouais. Je pense qu'on leur... C'est pas fait encore champ. On leur porte malheur, nous, la TTR. Je me pose des questions parfois, parce que... Bon, après... C'est parce terrible. Que c'est moi avec tout le malheur que j'ai, en fait. Mais non, mais arrête de dire ça, voyons. Voyons, arrête. Je déconne. Non, mais c'est quand même bizarre. Hein. C'est... Comme on en parlait tout à l'heure, ça se trouve, c'est au niveau du jeu, c'est à cause du jeu que tout le monde se lasse ou quoi. Mais ouais, il faudra trouver une solution ou quelque chose, parce que quand tu commences à 20, voire même plus de 20, et qu'au final, quelques mois plus tard, tu termines à... Enfin, tu commences à 11 ou tu termines à 5-6... Ouais, non, c'est sûr que... C'est triste et démotivant et tout, parce que tu te casses le cul. Bah, moi, je m'en occupe pas dans ce coin-là et je m'en occupe plus. Mais tu te casses le cul à faire un forum ou un site, tu te casses le cul à faire des règles et tout et tout. Et d'un côté, après, il n'y a plus personne à côté, donc ça sert à rien. Ah non, si ça suit pas, c'est sûr c'est que... C'est démotivant, ouais. C'est démoralisant, c'est... Voilà. C'est chiant, tout simplement. Donc c'est chaud d'un côté parce que j'espère que eux ils sont pas démotivés de ce côté-là. Et puis voilà, j'espère qu'il y a des jours qui vont revenir. Mais nous, ce qu'on faisait avec mon ancienne team, c'est que généralement, à part les courses d'endurance pardon, qu'on faisait comme ça, en intercatégorie, on laissait le salon ouvert. C'est-à-dire que tout le monde pouvait rentrer. Du coup, généralement, on partait à 16 au complet parce qu'on est sur PlayStation et pas plus de 16. Ouais, effectivement, ouais. On dirait que Shingy49 est un joueur Xbox puisqu'il dit il n'y a pas grand monde sur le live. Mm-hmm. Alors peut-être que c'est sur le live aussi ici, hein, parce que c'est vrai qu'on est un peu tombé dans le nombre de viewers qui suivent le live, c'est un peu... Je sais pas pourquoi les gens fuient, ouais. C'est vrai que la course est un petit peu... bon, on va dire... Alors que, oh là, attention, parce qu'il y a Vegas qui, il me semble, un petit peu ralenti là sur la piste. Ou alors c'était pour laisser passer Sucette qui revenait juste derrière. Pendant ce temps-là, j'ai vu Joe qui rentre au stand et Sucette également. Alors là, ça va être intéressant. Oh, il arrive beaucoup. Sortir le premier. De justesse. Ouh là là, de justesse. Il va ressortir le premier.
je suis sur PC. Ouais, ouais mais Asté il est déjà dans la ligne droite qui précède le virage de Stowe, hein, donc il est pas très loin. Il est pas très très loin, hein. Si on regarde un peu le placement vite fait sur la carte sans que celle-ci soit buggée. Alors le point rouge c'est Sucette et la flèche c'est celle d'Asté. À mon avis, ça va... C'est mort. On sait pas, hein, faut voir. C'est non, mort. C'est mort. Ouais, c'est mort. Bon. Non, il est dans la ligne droite et Sucette est toujours arrêté. Donc du coup, putain. Et voilà, bah, Asté vient de repasser devant. Voilà. Asté qui reprend donc la deuxième place. Très mauvaise opération à 21 minutes de la fin. Mmh. Mais attention que Sucette a peut-être des... il va avoir des pneus plus frais, donc il peut peut-être essayer d'attaquer pour revenir, même si là, le... faut être honnête, bah, l'écart il est quand même ça important. Ça se verra plus voir, à la hein. fin. Ça se verra plus à la fin de la course, c'est-à-dire lors des 10 voire des 5 dernières minutes. Ouais, c'est un risque effectivement. Alors on va voir. On en était. Oui, il y a un écart quand même conséquent. Hein. Il y a pratiquement pratiquement 20 secondes d'écart entre les deux hommes. Hein. Donc du coup, c'est. Ouais, ça va être très difficile. À moins qu'ils nous fassent des claques de bons chronos. Mais bon, tour le plus rapide d'Asté, 1.44.229, 1.45.602 pour Sucette dans la course. Essaye de regarder les chronos qui on viennent va peut-être, de faire. Oui, on va pas sur ce tour-ci, puisque... Ouais, bon, puisque, comment dire... ben, là, c'est le tour de sortie de stand hein, pour Sucette, donc on ne peut pas vraiment se servir de ce tour-là comme référence. On prendra le passage au tour prochain, en revanche. Mais bon, Sucette, il est déjà à l'attaque, hein, dès la sortie. Voilà, et Asté, qui était un petit poil large là dans le virage de Stowe. Et Mangator, lui, bah, est toujours devant. Lui, donc Asté deuxième, Sucette troisième. Loulou et Lulu sont toujours quatrième et cinquième du classement général, mais premier et deuxième de la catégorie LMP2. Et puis Joug, qui est rentré au stand, bah, il est toujours en tête puisqu'il a beaucoup d'avance sur Vegas, qui est deuxième dans cette même catégorie GT3. Je suis ici, Asté, qui va se diriger vers un nouveau podium. Dans cette catégorie à moins de 20 minutes de la fin de cette course. Course à péripétie, devrais-je dire, hein, parce que franchement, là, on est hashtag gratteur. Ouais. Ouais. Effectivement, c'est. Bon. C'est le maître mot de la soirée pour notre ami Asté, mais ça n'est nullement méchant, hein, attention. Hein, c'est amical, non. Bien évidemment. C'est une boutade. Voilà, exactement. Tu as tout dit, tu as tout compris, mon cher Droudrou. Je voulais sortir depuis un petit moment, celui-là. Ah bah écoute, bon. Ça a été l'occasion, tu vois. Alors, à la fin de ce tour, on se permettra donc le comparatif du dernier chrono effectué en piste entre Asté et Sucette. Attention ici, voilà. Vegas qui laisse passer. Voilà. Alors, Asté qui arrive à la fin de son tour pendant que ça tape sur les palettes au volant. Chez certains de nos pilotes. Vous l'entendez sans doute en fond. Sucette et les palettes. Ah, oui. C'est parce qu'il a changé de matériel aussi, je pense, pour communiquer. Alors, dernier temps au tour pour Asté, 1.47.825. Et on va voir ce que fait justement Sucette. La vie sera plus longue, je sais pas pourquoi. Alors lui, il fait 1.44.969. Et c'est son meilleur temps au tour dans cette course. Ouais. Il va tenter quelque chose. Il va tenter quelque chose sans doute, Sucette. Ça fait 2 secondes à peu près au tour. On va essayer de prendre le gap ici, voilà. À partir de ce moment. Entre les deux hommes. Ça sera pas assez. Allez, il faut voir, faut voir. Ça sera pas assez, non.
n'est à 15 secondes. Moins de 15 secondes d'écart entre Sucette et Asté. Donc il y a quand même eu pas mal de temps repris. 5 secondes en 2 tours. Quasiment, oui. S'il continue comme ça, et vu qu'il reste 5 quarts d'heure, il peut repasser devant. C'est possible. Peut-être qu'Asté joue la stratégie de carburant, de gérer pour les derniers tours. Ah, c'est pas fini du coup. Non. Il pourrait y avoir une petite bagarre entre les deux. S'ils s'envolent pas. Oui, bien évidemment, mais bon, cela ne lui arrive pas réellement à lui. Hein. Rappelons-le quand même. Alors que Loulou est dans les stands. Énième passage par les stands pour Loulou. Désolé de dire ça, mais il doit vraiment s'emmerder en LMP2. Hein. Ouais, malheureusement, oui. Ça va, la P20, elle est marrante à conduire. Oh la glissade là pour Lulu, mais. Il a pas descendu, par contre. Ouais. Qui, du coup, a été un peu pénalisé pour un écart hors piste, visiblement. Il a ralenti assez fort. Par contre, c'est plus impressionnant à regarder que quand t'es dans la monoplace. Enfin, quand t'es dans le proto. Quand t'es dans le proto, tu t'as pas l'impression d'aller aussi vite que ça en fait. Alors, chrono sur le dernier tour, c'était 1:44.480, 1:44.910 pour Sucette. Donc ça, visiblement, ça se rétablit. C'est peut-être Asté qui avait commis une petite erreur sur le tour précédent. Ah, peut-être aussi, hein, qui sait. Tous les scénarios peuvent encore se produire, on va dire, dans cette fin de course. Il n'a pas amélioré Sucette au niveau de son chrono. Alors on va voir l'écart ici au franchissement du virage de Kops. Alors on en est exactement à. Ouais, bah, on est à 16 secondes même. Il y a une petite seconde qui a l'air de s'être perdue là. Par rapport au précédent pointage entre les deux hommes. Dommage. Ça risque d'être difficile. Hein. Là, il faudrait vraiment un 15 minutes de la fin. Là, ouais, c'est très très compliqué. Rien n'est joué jusqu'à la ligne d'arrivée, mais faut être bien réaliste. Ouais, c'est ça. Hein, D'ailleurs, tiens, je me pose une petite question. Vu de toute façon, on aura la réponse dans un quart d'heure. Mais comment ça se passe? Oh, attention! Lulu, sortie de piste. Se termine, faudra terminer le tour. Sortie de piste pour Lulu qui rentre au stand par la même occasion du coup. Alors pour répondre à ta question, Droudrou, je ne sais pas puisque c'est la première fois que je vois une course avec chrono comme ça, puisque c'est désormais. Il y a deux scénarios possibles du coup. Soit tu termines ton tour, soit ça fait comme pour les qualifications. Même si t'es en tour lancé, pomme, t'as l'écran de fin qui s'affiche. À mon avis, c'est ça qui va se passer. Je trouverais ça un peu dommage, hein, personnellement, que ça se passe comme ça. Mais je pense que ouais, ça va se passer comme ça malheureusement. Pour les qualifs. Ouais. Moi j'aimerais bien qu'il fasse comme dans le solo, que dès que l'on se termine, tu dois finir ton tour. Ouais, bah oui, ça me paraît très logique, et dans les vraies courses, c'est comme ça que ça se procède. Ça procède. Parfois, au pire, après, si vraiment t'as la fin de la session qui termine, pour ceux qui sont encore en course, un chrono de 3 minutes se met pour que tu puisses terminer ton tour. Et une fois que t'as terminé ton tour, t'as un pilote auto qui se met en route et qui te rentre au stand. Sur F1 2015, la plupart des jeux maintenant sont comme ça. Hein. Une fois que tu franchis la ligne avec le pilote automatique, sur Forza également. Hein. Attention. Ouais, attention, là, c'était là qui double Loulou. Mettre un tour. Voilà la différence entre la. Un tour, le con. La P20 et la P30. Oh là, Loulou, qu'est-ce qu'il fait crateur, là hein. C'est pas possible. Il a un peu coupé la chicane. Désolé, mais là, c'est fait exprès, c'est pas possible. Là, il y a le proto, il a pas fait de coup de crabe ou quoi. Non, là, je pense que c'est... 6 ever, il reste. 7 7, autant pour moi. 7 et 2 gratteurs, attention. Attention, Vegas qui part en tête à queue. Joli. Avant Brooklands. Si t'es pas en burn, même pas. Bon, si on était en patinage artistique, on lui donnerait. On va lui mettre 9/10. Moi, je lui mettrais un 7 parce qu'il manque les pointes quand même.
Il est pas arrivé sur ses pointes, donc du coup il manque. Jeu de jambes, il était pas là. Voilà, exactement. En plus, il est moche. Pour j'ose même pas chercher pourquoi, j'ai peur. J'ai peur de la. Parce que la voiture elle est endommagée, c'est pour ça. Ah, c'est bien, ouais, effectivement. Ouais, c'est vrai que bon, la pauvre là, elle est un peu. Elle a un peu du vécu, on va dire. Elle a un peu des kilomètres au compteur. Normal, c'est une course, vous me direz. Mais bon. Ah, il y a quelqu'un qui a allumé ses phares. Ouais, bah c'est Mangator. Il a toujours ses phares allumés de toute façon. Limite à vouloir aveugler ses adversaires. Par contre, Asté aussi. Sucette, lui, n'a pas ses phares, par exemple. C'est Coco Titan que. Coco Titan, lui, il a créé un. Il a fait un genre de mode lui-même. Avec des nouvelles touches. Et sur une de ces touches qu'il a créées, quand il appuie dessus, ses phares s'activent tout seul pendant à peu près 5 à 10 secondes. Et il clignote tout seul, tu vois. Pour faire des appels de phares, oui. Voilà, exactement. Et sur Road America, la nuit est tombée, pour ceux qui s'en rappellent. Ouais. Et moi, vu que je suis en GT, je vais beaucoup moins vite que lui parce que lui, il est en LMP1. Et à cause de ça, vu que les phares, justement, en LMP1 sont beaucoup plus forts que celles des GT, comme il me faisait des phares en pleine nuit, pendant 5 à 10 secondes, moi, pendant les virages, je voyais strictement rien quand il était derrière moi. C'est pour ça moi, je suis plein et voilà, il a pas trop refait derrière, mais j'ai failli sortir à un moment comme ça, quoi. Ouais, c'est le genre de situation où quand t'es aveuglé par des phares, bah ça peut vite causer une gêne. Sans que ce soit volontaire, mais bon, c'est vrai que. Ouais, bah oui, ouais. Par contre, une petite différence, enfin, une petite chose que je remarque aussi et qui ne se fait pas sur Project Cars. Bon, après, tu me diras, ça serait un peu difficile de le mettre en place dans un cadre de course comme ça où t'as des protos et des GT. C'est qu'il n'y a pas de couleurs différentes de phares. Ouais. Sur Forza, toutes les GT sont en jaune. Toutes les GT, effectivement, ont des phares jaunes, tandis que les LMP ont des phares bleus. Par contre, justement, j'ai roulé de nuit sur le Nürburgring, la Nordschleife avec la Z4. Les phares jaunes, ça te donne mal à la tête. Moi, perso, ça me donne mal à la tête. Alors que sur Project Cars, la Nordschleife de nuit, phares xénon, j'en ai rien à foutre. Phare Xenon, vite trinté. Ouais. Tu auras monsieur. Alors, monsieur, on est dans les 10 dernières minutes de cette course. Avec toujours Mangator devant. Asté en deuxième position. Il s'est un peu loupé là, j'ai l'impression, au freinage. Il avait l'air d'aller bien lentement. Et oui, merci de rappeler qu'il reste moins de 10 minutes, Ever. Oui, on a le chrono sous les yeux, ne t'inquiète pas. Non mais ça fait il le fait à chaque fois moins de 40 minutes ça. Ouais c'est ça voilà. Ça prouve qu'il suit en fait, c'est plutôt oui. Pas mal. On va faire un petit pointage là entre Asté et Sucette. Pour la bagarre on va dire à distance, même si je pense que là elle est plus trop présente on va dire. Ouais bah on est presque revenu aux 20 secondes hein, d'écart entre les deux. Je pense que c'est difficile de recoller comme ça, je pense même impossible, là, sincèrement. Je suis là, je le fais. Ouais, mais je comprends mon cher Ever. Ever qui avait participé à ses premières courses le week-end dernier, hein, d'ailleurs, dans les championnats. En remplacement de Forza Alex, qu'on salue peut-être s'il regarde le replay ou le live. D'ailleurs, je suis deg parce que je l'avais trash talk et au final, c'est moi qui étais pénalisé. Voilà, voilà, Vegas là qui. Oui, un petit lag réseau visiblement là parce que. Voiture qui se comportait un peu bizarrement. Même son réseau il crash. La violence. Ça par contre c'était. Ouais, bon. Je rigole. Tu assumes tes propos si tu veux, mais nous ne les cautionnerons pas. Voilà, alors. J'avoue que c'était une bonne punchline celle-là. Ouais, mais oui, mais bon. Dans le carnet, je la note tout de suite. Voilà, exactement. Ouais. Droudrou fait le relevé des punchlines et des réflexions que nous pouvons faire. Et il en constituera un petit almanach qui vendra l'année prochaine. Alors. Oula, Lulu qui nous a fait une petite sortie là aussi et hop, à la chicane. Un tour de plus. Oh. Lulu, notre consultant.
pour les courses sur Forza 6 que vous retrouverez le week-end prochain, si tout va bien, s'il n'a pas d'empêchement de dernière minute, parce que bon, c'est des choses qui arrivent aussi, et donc dans ces cas-là, bah, j'assure le commentaire tout seul, comme ça a été le cas la semaine passée. Vous avez d'ailleurs pas mal apprécié, je vous en remercie, hein, encore une fois, je vous remercie pour les bons commentaires, les encouragements que vous faites régulièrement sur le... sur les... J'ai à fourrir parce que notre ami Evoque qui rappelle l'accident de Boudreau et le crash au deuxième tour. N'empêche que j'y étais pour rien. Quand tu regardes bien, c'est la R8 blanche. Et elle fait un travers et quand elle revient sur la route, et ben elle se met en face de moi. Oui, effectivement. Toujours des excuses. Non mais, non mais honnêtement, la Nissan elle est maudite. Elle est marrante à conduire. C'est pour ça d'ailleurs que je la garde. Ah bah écoute, de toute façon j'assume complètement. Mais c'est mon choix. Tant mieux pour toi, hein. Écoute, si tu l'assumes jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Oui. Mais c'est quand même malheureux que cette voiture, même dans les jeux vidéo où elle pourrait avoir un meilleur potentiel, on peut se dire, bah elle va tenir la route. Bah même dans un jeu vidéo, il faut qu'elle ait des ennuis. Elle tient la route. Il y a juste dans les virages lents où t'as l'arrière, il dis moi aussi je veux passer devant, tu vois. Ouais, mais il faut rappeler... Sinon en général sur la Nordschleife je me suis éclaté. Faut rappeler juste que le carrousel où elle dérapait un peu. C'est tout. Faut rappeler quand même que la GTR a un système de traction qui est différent des autres protos de sa catégorie, puisque elle est une traction mais qui devient 4 roues motrices par le biais de son système hybride. Un peu comme la Audi R18 i30 Quattro, sauf que lui Nissan, c'est une propulsion traction. Avec le hybride qui joue sur les roues avant pour en faire une 4 roues motrice. Donc c'est le même principe mais inversé. Et Nissan c'est complètement planté. Nissan, non, c'est juste une traction. Ah, il me semble que j'avais entendu que le système hybride entraînait les roues avant, les roues arrière. En tout cas sur Forza il est pas indiqué, hein. Quand tu regardes le système de traction, t'as le bloc moteur. Bon, après il y a tellement... Il y a tellement de technologies hybrides différentes qui font tchik, qui font tchak, alors comment voulez-vous vous y retrouver au bout d'un moment? Je vous le dis sincèrement, c'est parfois bien compliqué. De toute façon, les technologies hybrides, parfois, elles sont pas gérées par Forza. Quand tu regardes la R18 e-tron, c'est pas une propu avec une 4 roues à l'accélération, c'est une 4 roues tout le temps. C'est juste qu'ils ont réglé le différentiel d'une façon qui fait que c'est une propulsion. Et ce qui explique pourquoi cette dernière a été supprimée du championnat WEC, entre autres. Pour son trop gros gap de performance. De toute façon, celle de 2012, c'est exactement la même. C'est juste qu'elle a un peu moins de puissance. Ouais. Exactement. Alors, la 2014, à l'accélération. Quand on regarde les puissances des LMP1 modernes, on n'est pas si loin. Enfin, on va dire. Je reste prudent quand même dans ce que je dis. On n'est pas si loin des puissances des protos qu'on avait dans les fin des années 80, début 90, hein, quand même. Ce qui donne des performances. Cela, c'est par exemple la V12 LMR de chez BM. Non, c'est par exemple les 905, 787B et tout ça. C'était ultra performant à l'époque. Hein. Les groupes C, en tout cas, puisque c'était leur dénomination à l'époque, c'était quand même des sacrés monstres. Quand puis la Mazda, elle carbure. Hein. Ah bah ouais. Ou bien même la C9 de chez Mercedes en 89, c'était quelque chose quand même, ça je peux vous le dire. Allez, des moteurs qui gueulaient et qui poussaient, maintenant gueule plus trop et puis... Mais ça pousse quand même, ça... Oui, ça pousse, mais bon, t'as plus les... Quand tu regardes maintenant, et comparé à avant, quand j'ai vu une vidéo où t'as la 787B qui passe à fond dans la une audière. C'est kiffant, t'as le rotor, tu l'entends la ligne d'accélération. Oui. Le rotor, tu l'entends du fond, du début de la ligne. Exact. C'est juste énorme. Alors que maintenant, la R18, elle passe. Ouais, c'est limite hybride. Si t'entends le sifflement du turbo. Ah bah, hybride diesel, hein, c'est ce qui explique aussi cette différence. La Audi, quand elle passe, tu l'entends pas, hein. C'est le vent que t'entends. Presque, oui. Oui, franchement, c'est presque ça, quoi. Enfin, toi, tu peux mieux en parler que nous pour avoir régulièrement assisté. Non, mais je peux te jurer que des fois, quand la voiture, elle passe, tu la vois, elle a déjà passé le virage, en fait. Des fois, tu fais pas gaffe, tu regardes ailleurs, et puis la voiture, elle est déjà passée, vu que tu l'entends pas. Je te jure que tu entends la voiture, mais on dirait une Formule E. Ça fait un genre de... Voilà, honnêtement, ça fait ça. Si t'entends quoi, le bruit du vent et le bruit des pneus qui roulent sur l'asphalte,
t'entends pas grand chose d'autre, hein. Mmh. Ah, effectivement, c'est dommage un peu comme ça de perdre, et c'est le cas un peu partout, hein, quasiment maintenant, dans de plus en plus de disciplines de sport mécanique, hein, malheureusement. Ouh, attends, retourne sur le... Ouais, Astella qui a été un peu gêné. J'ai cru voir que ça avait touché. Il était un peu gêné. Sur le TS, qu'est-ce qui se passe? Lulu s'est déconnecté. Oh non, oh non, c'est pas vrai, abandon de Lulu à 2 minutes de l'arrivée. Oh mon dieu, il va avoir c'est les points. C'est pas possible. Il va avoir les points parce que faut faire 75% de la course pour avoir les points. Mais ouais. c'est dégueulasse. À 2 minutes de la fin. C'est horrible. À 2 minutes de la fin. C'est horrible. C'est horrible ce qui se passe pour notre Lulu, notre consultant sur Forza 6. Là qui est victime d'un... Bah, là je pense que c'est une déconnexion, hein, là qui l'a malheureusement coupé dans son élan. Mais c'est horrible. C'est horrible franchement. Là on va finir avec 6 voitures en course. Une seule LMP2 qui du coup a gagné sa course. Loulou, il a gagné en LMP2 du coup. Là c'est officiel. On change pas depuis hier, c'est triste. Ouais. Et du côté GT3, bah, on a 2 pilotes toujours, Joug, Vegas, deuxième. Et en LMP1, bah, on a 3 pilotes, Sucette, Asté et Mangator qui lui... alors il reste 1 minute 10, donc je pense qu'on est dans le dernier tour. Ouais, on est dans le dernier tour de cette course, il me semble, si quoi je regarde... Mangator, vu sa position, il va peut-être devoir retaper un tour. C'est pas si sûr que ça, hein. Ouais, si on est la FM, il va ralentir. On est 1 minute, ouais. Oh, bah, il peut, hein, il peut de toute façon, hein. Non, pour moi, il n'aura pas le temps de faire un autre tour. Non, 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 on est vraiment, je pense, là, dans le dernier tour de ces 2 heures de Silverstone. Avec donc Mangator qui escalade bien les bordures. Il est quand même chanceux parce qu'il n'a pas de problème de connexion ou quoi que ce soit, lui. Hein. Eh non, effectivement, ouais. C'est, il a très rarement des problèmes, en plus qu'il pilote bien. Il arrive à passer entre les gouttes, des déconnexions, des pannes mécaniques. C'est très fort niveau connexion. Pas de problème de connexion, pas de problème mécanique et pas de problème de pénalité non plus. Quand je dis près, c'est moins de 30 km. Ouais. Et il y a des sacrées différences entre nous deux. Ben oui, et pourtant, la différence, là, c'est lui qui l'a fait sur la piste. On est à 5 secondes, ouais, donc là, ça va être bon. On a pas le temps. Voilà, victoire donc de Mangator dans ces 2 heures de Silverstone. Bravo Mangator. Voilà, en fait, il faut terminer le tour. Et voilà, dernier tour, on le dit dans la radio, dernier tour de course. Et voilà, donc Mangator qui s'impose dans ces 2 heures de Silverstone. On va retrouver Asté qui va finir donc en deuxième position. Ever, il est toujours dans la boue. Ouais, effectivement, ouais. voilà, c'est. Bah, c'est Ever, hein, qui se voulait que je vous dise. C'est. Il est comme ça, on ne le change pas. Donc deuxième position, on retrouvera donc Asté. Alors je regarde, Joug va arriver. Aura gratté 2 places. Voilà. Au final. Alors Vegas, lui a déjà franchi la ligne. Il finira donc deuxième de la catégorie GT3. Et Joug de son côté donc va aller s'imposer en catégorie GT3 avec sa roof RGT8. C'est pas souvent qu'une roue s'impose, mais on va saluer. Il est souvent dans le coup, même s'il gagne pas souvent, il est quand même souvent en tête, on va dire, dans le peloton de tête, j'ai du mal. Ouais, voilà. Il a fatigué. ouais. Voilà, Asté qui franchit la ligne en deuxième position. Oula, c'était une arrivée spectaculaire. Sucette troisième. Et puis donc, Loulou qui va aller s'imposer. En catégorie LMP2, quand même parce que qui enfin s'impose, oui, qui enfin s'impose parce qu'il a eu de nombreuses reprises d'occasion de s'imposer et qu'il n'avait pas pu suite à l'un ou l'autre problème rencontré en course. Et là donc ça y est, c'est fait. Bravo Loulou. Voilà. Et donc voilà la victoire qui cette fois-ci donc a été faite pour Mangator, donc vainqueur de ces 2 heures de Silverstone. We'll be right back.